Bonjour à tous, bonjour, exercice un petit peu particulier, bonjour à tous dans la VOD, dans le replay de ce live qui a eu lieu le jeudi 1 ou 2 février dans le cadre du festival SF Révolution que la chaîne MAP a organisé avec le festival des intergalactiques. Exercice un petit peu curieux pour moi là tout de suite, puisque étant donné la qualité déplorable de mon micro, je refais les enregistrements qui étaient liés à ma voix. Donc du coup, une semaine après, nous voilà présentés de nouveau ce live. Alors en revanche, il y a quelque chose qui est facilité, c'est le fait que j'ai toujours autant d'émotions une semaine après à vous présenter cette VOD. Ça a été très fort pour moi de pouvoir réunir autour de la même table les intervenants, intervenantes que vous allez voir dans ce replay. Donc ça, au moins, l'enthousiasme est pas fin et est toujours là, quoi. Donc je vais essayer un petit peu de vous présenter tout ça, mais on prend notre temps. Alors cette VOD, on va essayer de pas trop jouer. Cette VOD s'inscrit dans un ensemble de replays que vous retrouverez sur la chaîne MAP et sur la chaîne des Intergalactiques de Lyon, qui reprennent un petit peu l'intégralité des lives qui a pu y avoir, qui ont pu avoir lieu pendant ce marathon de stream. Marathon de stream qui a été pour nous un travail intense et pour moi une expérience vraiment merveilleuse, quoi, vraiment je le dis, quoi. Donc vous allez retrouver sur ces chaînes là autour de ce thème marathon et SF et révolution un live autour du tokusatsu, du gros robot, du sentai, de toute la tradition en fait des cultures populaires japonaises et de la SF après 1945, quoi, resitué dans des perspectives critiques et politiques. Vous allez retrouver aussi un live autour de la personne immense qui est Jack Kirby, inventeur de Galactus, de Darkseid, du côté de Marvel, DC. Et on a essayé de construire avec Alex Nikolavitch et Rumil un live autour de cette question du méchant et notamment de ce qu'impliquait la colonisation des ventres, des terres, des planètes à l'intérieur d'une réflexion générale autour de la figure néolibérale du méchant, quoi. Vous allez retrouver aussi la présentation par Nobody GD du prototype de jeu vidéo de science-fiction présenté par ses étudiants avec une réflexion longue autour de la question du travail du jeu vidéo aujourd'hui et de la solidarité de la forme et de la lutte politique, quoi. Vous aurez aussi un certain nombre de lives queer et écoféministes. Ça, c'était le dimanche après-midi. Vous avez un long lab autour de la façon dont la double matrice du voyage et de la guerre s'est transformée dans l'histoire pour devenir aussi un trope de science-fiction après la naissance de l'épistémé scientifique au 19e siècle. Vous allez, voilà, je profite un petit peu de cette VOD qui attirera peut-être des gens qui connaissent pas bien cet univers, quoi, vers le
le programme et bien sûr l'intégralité des programmes proposés par Jal au Boscop dans son lieu pendant le festival, qui ont réuni Marcus Reich, Alice, Lumi, Bolchegeek et tout un tas de noms autour des science-fiction périphériques, autour des conditions d'édition, etc. Vraiment, je pense que c'était un marathon qui était... qui était riche, quoi, et je vous engage vraiment à aller voir les vidéos de et là, ce replay là, qu'en est-il? Et ben là, pendant 7h30, 2h, je sais pas combien de temps ça a pu durer, quoi, mais ça aurait dû durer encore des milliers d'heures, quoi. On va parler Moto Agio, on va parler de la Grande Dame, quoi. Donc, pour ceux qui seraient pas familiers avec la Grande Dame, on va vous la présenter, enfin, en tout cas, les invités de qualité qui sont présents ce soir vont vous présenter l'œuvre, le parcours, les obsessions et les thématiques de l'œuvre de cette diva, en fait, qui est Moto Agio et qui est une très très grande figure de la culture mondiale et qui a été mise à l'honneur à Angoulême en cette année 2024 dans une exposition organisée par Xavier Guilbert et une série de conférences, quoi. Conférences auxquelles ont assisté la plupart des intervenants qui étaient là, qui sont là dans ce live, quoi. Et c'était un peu important pour nous dans le cadre de la SF de revenir sur la question du Chojo. Et plutôt que de partir sur quelque chose d'un petit peu transversal, on a choisi de faire un focus sur l'œuvre de Moto Agio. Moto Agio qui est éclectique, hein, qui a touché à absolument tous les genres, quoi, qui a proposé une réflexion riche sur l'identité, la fertilité, la gémellité, la maternité, la famille, l'individualité, la transgression, la révolution, etc. Une très très grande dame et une œuvre absolument merveilleuse, quoi. Et donc le live de ce soir va être l'occasion pour vous de faire un voyage, de vous initier si vous connaissez pas, et va être un vrai parcours de lecture proposé par nos invités de ce soir à une occasion où l'actualité éditoriale de Moto Agio est brûlante, et ça c'est cool, quoi. Et donc on reviendra un petit peu sur tout ça. Voilà, j'espère que l'interview réenregistrée a été satisfaisante. C'est parti pour le live et c'est parti pour la présentation des premiers intervenants. Du coup, je me présente, Link, bon, Anthony pour les intimes. Je suis en Master 1 bande dessinée, édition, théorie et critique de la BD à Bordeaux. Voilà, je suis pigiste pour un magazine critique de BD qui s'appelle La Vie des Bulles. Et plus globalement, je suis surtout actif pour les réseaux, pour tout ce qui est, on va dire, manga, un peu de patrimoine, héritage, pour rester dans le côté Akata Moto Agio. Voilà. Donc moi, bonjour à tous, c'est Audrey. Je suis rédactrice sur un blog qui s'appelle Club Shoujo, donc dédié au manga, animé, drama, à destination du public féminin. Donc comme vous en doutez, j'adore le shoujo. Merci Audrey, merci beaucoup. Ouais, là je vais laisser tout ouvert maintenant. Les sons, quoi. Coucou Pillet, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent là ce soir. Petite pub parce que nous on a fait un petit live avec Audrey, et je vous renverrai le lien. Elle a eu l'occasion de présenter le projet Club Shoujo et où ça en était. Et c'était vraiment cool de t'avoir à ce niveau-là, et j'espère qu'on va pouvoir se refaire ça. Et donc du coup, Julia,
Oui, bonjour. moi, c'est Julia. Je fais de la recherche sur l'histoire du shoujo et du manga pour public féminin, principalement. Et accessoirement, je fais des chroniques aussi orientées historiques sur le club shoujo. Merci, Julia. À quoi ? Je fais le tour, hein, désolé, hein, je fais ce que je peux. Quoi. Vas-y, à quoi ? Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est Aquarelle. Je traîne surtout sur Twitter où je parle des mangas que j'aime. Je suis beaucoup passionnée par les mangas d'inspiration féminin. Je suis aussi derrière le compte Shoujosphère qui vise à mettre en valeur la diversité du shoujo. Et je fais aussi partie du groupe de la Commanderie qui chronique le manga et la pop culture en général. Merci, merci, merci. Attends, on a... Bon, il faut pas falloir que je joue trop ce soir. Aïe. Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas trop comment me présenter. Je suis surtout sur Twitter et je suis... moi aussi, je m'intéresse au manga public, à destination d'un public féminin depuis plus de 10 ans, on va dire depuis 15 ans et quelques. Moi, je suis une grande amatrice de, évidemment, Moto Hagio, Akimi Yoshida, Fumi Yoshinaga. Et donc, je pense que c'est tout pour moi. Ouais, c'est bien, merci beaucoup. C'est cool qu'on fasse quand même ces petites présentations, je pense que ça vaut le coup. Quoi. Je sais que c'est pas hyper confortable, c'est jamais très chouette, quoi. Mais ça vaut le coup, ça permet de savoir aussi... Chloé ? Attends, toi aussi tu veux ton caricano. Comment ça fait ? De quoi ? Ouais, mais vous l'avez en différé, donc du coup vous voyez pas les effets, quoi. vas-y, Chloé. Du coup, salut tout le monde, c'est Chloé, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Complément Shoujo. Spoiler, je parle de shoujo, évidemment. Mais je m'intéresse de façon générale aux autrices, à l'écriture féminine et aux mangas de façon en général, en fait. Mais plus spécifiquement au shoujo en général, quoi. Voilà. Merci, merci Chloé. C'est cool. Enfin, c'est trop cool de vous avoir toutes là. Atama. Bonsoir à tous. Je suis Atama. Comme d'autres, j'évolue principalement sur Twitter où je publie des avis de mes lectures. Alors j'ai pas forcément un palmarès aussi important et des connaissances aussi pointues que le reste des intervenants, mais je partage ce goût pour le shoujo, le josé. Et au-delà de ça, j'apprécie Moto Hagio, donc j'avais envie de participer. Je suis sûr que je vais apprendre des choses très intéressantes au cours de ce petit live. C'est cool. Alice ? Oui, je t'appelle Alice, du coup. Mince. Ouais, écoute, Alice, c'est très bien. Parce qu'en plus, je suis surtout sur Twitter aussi. On se refait pas. Sur Twitter, les gens me connaissent surtout sur le nom d'Alice, donc c'est parfait. Et à part ça, je chronique du manga pour Comic Strip en premier temps, pour Zo en deuxième temps, Zo Manga. À propos du shoujo, je pense que je suis un peu une arriviste. Parce que j'ai découvert le manga déjà sur le tard, et en plus le shoujo, je me suis rendu compte sur le tard, et notamment grâce à toutes ces personnes qui sont avec moi dans le live ce soir, que j'en lis beaucoup sans le savoir. Donc c'est notamment sur le versant Moto Hagio du shoujo sous le prisme de la SF qui, moi, me plaît particulièrement, et c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. Ok. Alors du coup, pour cet exercice particulier de réenregistrement de la VOD à cause de micro pourri, on se donne de la force avec de la VOD Makishima, quoi. Donc début de l'interview et nécessité de remise en contexte, je dirais, quoi. Et donc c'est vrai que c'était important que ce stream il soit le plus inclusif possible, quoi. Et donc c'était important de remettre un petit peu le tout en contexte. Moto Hagio a été désigné avec d'autres autrices comme étant à
à tort qualifiée à travers cette étiquette d'autrice de l'an 24, étiquette sur laquelle reviendront nos invités tout au long de la soirée, quoi. Mais c'était important quand même si on met à distance ces étiquettes-là, de rappeler que elle est liée à une époque, à un contexte éditorial particulier, et donc il fallait qu'on aille dans cette direction. Là, je suis en train de diffuser à l'écran un certain nombre de couvertures des Chojo Magazine de l'époque, quoi. Celle que vous voyez là à l'écran, c'est la couverture du Chojo Gao, septembre 1926 par Kasho Takabatake. Peintre lyrique généralement crédité pour l'ajout des réos dans les yeux. Donc on voit qu'on a une histoire éditoriale qui est longue, dans laquelle il faut resituer cette tradition-là. Et c'est ce que vont faire les invités là maintenant. Vas-y Julia. Ouais, donc là, ce soir, on va parler de Moto Hagio, qui est une autrice principalement connue pour ses shoujo mangas. Donc, les shoujo mangas, c'est des mangas qui sont destinés de premier abord à un public féminin. Et pour déterminer ce qu'est un shoujo manga d'un manga shonen ou seinen, des mangas pour hommes, en fait, c'est basé sur le modèle de publication au Japon. C'est-à-dire que les mangas, traditionnellement, c'est publié dans des magazines, un papier. Et ces magazines ont une cible éditoriale. Donc ça peut être les femmes de 40 ans et plus, ça peut être les jeunes garçons de 12 ans, ça peut être etc. etc. Et à partir de là, on peut déterminer si un magazine se définit comme shoujo, donc qui vise les jeunes filles, les adolescentes, les jeunes adultes, ou shonen qui va plutôt viser les adolescents garçons, ou seinen qui va viser plutôt les hommes adultes, ou ladies qui va viser les femmes adultes. Aujourd'hui, ça commence à changer avec Internet, ce système. Parce que les magazines commencent petit à petit à disparaître et à se digitaliser. Mais à l'époque où Moto Hagio commence, c'est-à-dire fin 60, début 70, là, il y avait principalement que les magazines, à quelques exceptions près. Et c'est à cette époque-là où les mangas commencent à être publiés en volume relié aussi. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient publiés dans les magazines et ils ne sortaient pas derrière, en fait. Et à partir des années 60, la moitié des années 60 jusqu'aux années 70, les maisons d'édition se sont dit « bah tiens, on peut collecter les histoires écrites dans les magazines et on peut les publier en volume relié qu'on connaît, nous, aujourd'hui, en France. » qui sont publiés actuellement en France. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Non, si c'était hyper clair. Et tu crois que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette économie des mangas de prêt ? C'est un hors sujet. C'est hors sujet. Non, si c'est hors sujet, on avance tranquille. Hein, ok, ouais. Guillaume, elle n'a pas touché à ça, donc... Alors, on y va. Il y a une... Vous aurez sans doute entendu ou vu... cette expression des autrices de l'an 24, quoi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les limites de ce concept-là? Pourquoi finalement il nous amène à la fois à confusion et mais qu'en même temps il y a peut-être quand même quelque chose à garder d'une espèce de est-ce qu'il y a une unité en fait? Est-ce que ça existe Hagio, Ikeda et quelques autres de cette époque-là? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on mette à la poubelle ce concept d'autrice de l'an 24? Donc en gros, c'est quoi? Comment vous vous situez par rapport à ce concept-là? Et est-ce qu'on peut parler d'une certaine unité? Alors peut-être pas entre elles, mais peut-être esthétique ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Est-ce que cette catégorie est achetée complètement à la poubelle? Je sais pas qui veut se lancer. Alors peut-être pas achetée à la poubelle. En tout cas. On peut dire un truc qu'on a un peu rabâché la semaine dernière, c'est que Moto Hagio elle-même n'aime pas particulièrement cette expression, les autrices de l'an 24. Après, je parle sous le contrôle de mes camarades. Les autrices qui composent ce groupe de l'an 24 sont celles qui ont fréquenté une sorte de colocation qu'on appelle le salon Oizumi et qui se sont auto-influencées les unes les autres.
et qui commence en effet avec Moto Agyu et Keiko Takemiya, qui sont les deux principales occupants de cette colocation initiale, il me semble. Et par contre, les autrices sont venues, elles se sont auto-influencées, ont été un groupe uni, puis se sont dispersées chacune dans leur coin. Et Moto Agyu n'a pas du tout, par exemple, été un membre éternel de ce salon, Oizumi, puisqu'elle a décidé de s'en séparer relativement tôt, d'ailleurs, mais là, je ne sais plus la date exacte. En fait, Moto Agyu, elle parle même surtout de cohabitation plus que de salon. Effectivement, c'est un terme qu'elle n'apprécie pas vraiment. Pour moi, c'est aussi surtout les critiques manga de l'époque qui ont beaucoup parlé de salon pour faire comme, je dirais, un pendant au salon Tokisowa, je crois, oui, de Tezuka et compagnie. Je trouve qu'il y a un côté pendant féminin d'eux. Et effectivement, les deux qui habitaient vraiment ensemble dans cet appartement sont Keiko Takemiya et Moto Agyu. Et après, il y a des personnes comme Ryoko Yamagishi qui, elle venait même de Hokkaido, elle n'était pas à Tokyo. Ikeda, elle était dans le Kansai et en 2011, elle était venue aussi en France à Angoulême et elle avait aussi dit que elle n'était pas vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, comment le dire, mais elle se sentait pas non plus dans ce groupe. Elle expliquait que elles étaient loin en fait géographiquement. Et puis après, dans ce entre guillemets salon, il y a aussi eu des assistantes, des personnes comme comment elle s'appelle. Là, je trouve plus son nom, Shio Sato, par exemple, ou Akiko Hatsu, qui traînaient aussi là et qui sont un peu plus jeunes, quoi. Voilà. Ça ressemble plus à un terme journalistique pour rendre le groupe populaire finalement, mais ça nous permet. Pardon, vas-y. Non, mais c'était. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que il y a deux passages obligés à chaque fois qu'on tombe sur une interview d'Agyo, ou surtout par des Français, quoi. Et pas seulement Agyo d'ailleurs, pas mal d'autrices de shoujo. On discutait un petit peu d'une interview de Kyo Hayashida, on est retrouvé un petit peu sur ces poncifs-là. Donc il y a, bon, premièrement, effectivement, ce qu'elle lisait. Donc ça, c'est intéressant, en revanche, quoi. Ce qu'elle disait, sa culture, dans quoi elle baignait, deuxièmement, effectivement, cette fameuse influence de l'Occident, quoi. Et donc, on est à chaque fois sur les attendus un petit peu de l'exercice, quoi. Alors faites gaffe, ce que vous écrivez dans le chat, ça s'écrit pour tout le monde, et ça, je sais pas comment l'enlever. Donc si vous voulez vous écrire des trucs... comme j'ai pas de compte, je voulais répondre à une personne, la lame du manga qui... Ah ouais, tu peux pas. On va te laisser... Ouais. Alors, comment on peut faire ça, du coup, hein? Je sais... Le mettre dans le chat. Je sais pas quoi. Ouais, voilà, on peut se le faire comme ça. Comme ça, on fait un relais dans le chat des questions, des réponses d'Aline, quoi. Donc voilà, si je reprends ça. Donc c'est vrai, son univers culturel de sa jeunesse. Et là, à ce niveau-là, elle partage le même avec celles qui sont nées la même année qu'elle, quoi. Cette espèce de marronnier de l'influence de l'Occident, les magazines américains, les couvertures de mode, etc. Et je crois que Julia, toi, tu voulais tordre le cou un petit peu à cette idée-là. Après, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut pas exotiser le Japon d'un côté, quoi, et de l'autre côté. Quand Kurosawa il fait les 7 samouraïs, il a vu des films de horde du western, et quand les Américains ils font les 12 salopards, ils récupèrent aussi ce motif-là, et donc il y a une circulation des motifs, quoi. La culture elle est mondialisée dès le début. Tezuka il est marqué par Disney, l'organisation Disney, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ligne sur laquelle il faut rester, quoi, de lame sur laquelle il faut faire attention ni de basculer dans un sens ni dans l'autre, ni d'exotiser le Japon, ni d'aller l'écraser sous l'influence occidentale, quoi. Du coup, moi, mes deux questions, c'est premièrement, quel est l'univers culturel de Agyo et des jeunes femmes, des femmes de son âge, quoi. Et deuxièmement, quid d'une influence occidentale ou pas, quoi. Je sais pas si c'est casse-gueule ou pas ce que je dis là, ou si c'est nul, ou si c'est pas intéressant. C'est surtout que c'est un peu
compliqué à en parler, en fait. Enfin, y a tellement de choses à dire que c'est hybride, hein. De toute façon, y a des influences locales, culturelles, locales, et des influences occidentales. Je sais qu'il y a beaucoup de films d'Hollywood qui ont influencé Moto Hagio, mais aussi des films français, ce genre de choses. Elle a été influencée par les auteurs de manga de l'époque. Elle est influencée c'est très large, hein. Il y a les mouvements sociaux du Japon qui l'ont affectée plutôt négativement, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a, je sais pas. Bon, en termes de littérature. Ouais, en littérature. Une grande lectrice, Moto Hagio. Ouais, oui. Oui, parce que ça, y a Hermann Hesse qu'on cite tout le temps, et beaucoup après la SF occidentale. Notamment américaine. Ouais, avec Ray Bradbury, ça je connais beaucoup. Ouais, c'est ça. Asimov surtout aussi. Oui, aussi, ouais. Parce que Le Guin, c'était après, mais quand dans ses jeunes années, c'était Heinlein, Asimov, Ray Bradbury, dont elle est extrêmement fan et qu'elle a vu en 2009, donc voilà, c'est et évidemment après c'est... Le Guin c'est venu un peu après parce que voilà c'est dans les années 60 qu'elle prend son essor elle aussi. Et ouais, si, parce que là du coup c'est la littérature occidentale, mais il y a aussi c'est beaucoup Kenji Miyazawa en littérature japonaise. Et ça, on va en reparler un peu plus tard pour l'une des premières œuvres qu'on va aborder. Mais Il y a Ryumi Tsuze, je pense aussi, non? Ça, je sais pas. Parce que c'est, en fait, elle avait, elle est pas la seule, mais même Keiko Takemiya, c'était un grand romancier de science-fiction au Japon, et je pense que dans les années 60, beaucoup de personnes avaient l'air de le lire, en fait. Non, 15. Ouais. A priori, dans le chat, il y a des... Ouais, il y a quelqu'un qui... Ah, j'avais pas mis le son. Je coupe le son, quoi. Ouais, je demandais ce que c'était d'être une femme, en fait. Donc, elle commence en 1969, donc là, son écriture, 72 pour 75, nous sommes 11 pour des œuvres dont on va parler ce soir. Et donc, la question que je posais... C'était, qu'est-ce que c'était, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était qu'être une femme dans cet univers-là, à cette époque-là. Il y a eu des femmes qui ont écrit de la bande dessinée avant Moto Hagio, mais comment est-ce que vous caractériseriez la position des femmes dans cette édition? Est-ce qu'elles étaient assignées à place? Ou alors, est-ce qu'il y avait une certaine liberté qui avait déjà été conquise? Comment est-ce que vous caractériseriez ça? Alors, moi, je vais lancer, je vais la citer par rapport à son catalogue. D'ailleurs, à Angoulême, donc ils ont fait un catalogue sur l'autrice en l'honneur de son exposition et de sa venue. Corrigez-moi si jamais les 2-3 pros, là, je vous regarde. Elle disait qu'à cette époque-là, et surtout dans le shoujo manga, il y avait très peu d'autrices. Et elle disait même, si je me rappelle bien, qu'il y en avait peut-être même moins d'une dizaine qui étaient, on va dire, vraiment publiées. Et qu'elle, dans son cas, elle notamment... Ça a été assez compliqué parce qu'elle a mis plusieurs années avant d'être publiée à son tour, en envoyant à chaque fois plusieurs histoires et jamais ça a été pris. Et donc ouais, c'était une période assez compliquée, on va dire, pour les femmes à ce moment-là, au niveau du manga, quoi. C'est un peu... Parce qu'en fait, je sais pas quand elle a commencé à envoyer ses premiers manuscrits. Elle avait 17 ans, je crois. Elle a commencé. Elle était jeune en tout cas. Ouais.
Ouais, elle a commencé à envoyer dans la seconde moitié des années 60. De ce que j'en comprends, c'est qu'il y avait des femmes... Il commençait à avoir une place pour les femmes. Ça commençait vraiment à s'ouvrir à partir du milieu des années 60. On parle de Machiko Satonaka, principalement, qui marque une nouvelle génération, qui a commencé en 64. Et à partir de là, il a commencé à avoir un afflux d'autrices. Ouais, c'est ça. Elle arrive au bon moment, quoi. Elle arrive au bon moment, mais voilà, il faut que le marché grandisse. Et en même temps, les femmes, même s'ils commencent à avoir un espace pour elles, elles restent très méprisées, quand même, encore à cette époque-là. Il y a les cas de les autrices de Garo, Murasaki, ou genre d'autrices. Qui en parlent que elles ont beaucoup de mal à publier en dehors du shoujo à cette époque-là, dans la seconde moitié des années 60. Mais du coup, Agio, elle veut faire du shoujo, donc c'est un peu plus facile, entre guillemets. Mais elle aussi indouille un peu, mais quelques années avant de commencer à être édité. D'un côté, ça revient un petit peu sur ce que tu disais, Aïn, tout à l'heure dans le chat, sur le fait qu'on voulait lui assigner une ligne éditoriale, une ligne de scénario qu'il fallait absolument qu'elle suive, dont elle n'avait pas vraiment envie. En fait, c'est parce qu'elle était dans le Nakayoshi, en plus, chez Kodansha, qui est un magazine vraiment un peu plus écolière aussi. Je pense aussi qu'elle a eu beaucoup de chance, en fait, Moto Hagio, à cette époque... Justement, par le biais de Keiko Takemiya et de certains, de l'éditeur Junya Yamamoto, justement, qui était quelqu'un de très, 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 très open, en fait. Du coup, là. Si on reprend le cas des magazines, c'est que chaque magazine, du coup, a une cible éditoriale, mais aussi a une ligne éditoriale qui peut être plus ou moins forte. Donc, le Nakayoshi, ça visait plutôt les petites filles. Et effectivement, ils avaient une ligne éditoriale plutôt des histoires mignonnes. Là où Moto Hagio a pu se développer, c'est dans le shoujo comique. Junya Yamamoto, donc le chef directeur éditorial, lui, il avait une ligne éditoriale effectivement très très large, enfin très très libre. Effectivement, c'est aussi à cette époque-là que je crois que ça a été le j'ai oublié, le 17 qui est apparu en 67-68, suivi par Funny, qui ont commencé à essayer un peu d'ouvrir un peu les horizons du shoujo à cette époque-là. Et le shoujo comique, lui, il n'avait même plus de ligne éditoriale limite à cette époque-là. Parce que Junya Yamamoto a accepté en fait à peu près tout le type d'histoire. Donc c'était. Mais c'est vrai que Ouais, je reprends un peu la main là sur cette question-là, parce que j'aurais posé une question qui, moi, à ce moment-là, m'a toujours beaucoup intéressé, et puis du coup, ça nous permet de voir là quelques planches de peau sur lesquelles on reviendra un peu après, quoi. À ce moment-là, en fait, on a remis en contexte Moto Hagio vis-à-vis de l'actualité éditoriale de l'époque, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui me titillait, et c'est la raison pour laquelle je voulais embêter un petit peu les invités sur cette question-là, c'est que il y a une distribution. Regardez comme c'est merveilleux. Il y a une distribution en fait des genres, des motifs et du paysage d'auteur-autrice à cette époque-là, qui est quand même particulier, quoi. C'est-à-dire que on le sait maintenant, le shoujo, c'est pas que de la romance. Il y a de l'horreur. Il y a un petit peu tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu la victoire de l'équipe de volley du Japon féminine à cette époque-là, qui a donné lieu à un manga extraordinaire qui s'appelle Attack Number One, et qui a redéfini aussi les codes du shonen, quoi. Et donc c'était important pour moi, et on va le voir dans les planches qui vont venir juste à la suite, quoi. C'était important pour moi, en fait, de reposer et de leur demander leur réaction vis-à-vis de ça. C'est-à-dire on a
l'impression qu'il y a une répartition des genres qui est assez monolithique, quoi. Des autrices de la romance, du shoujo, des auteurs du shonen, de la bagarre, quoi. Or, on voit, et on va le voir dans la planche qui va venir juste là, que l'influence de Tezuka, par exemple, est très forte chez Moto Hagio. La planche que vous voyez là, le cheval d'Edgar qui fond, enfin, le cheval d'Alan qui fond sur le héros, a des lignes de force, des lignes de mouvement qui sont très tezukaistes, on pourrait dire, quoi. Et donc, reposer un petit peu cette ambiguïté qui pouvait exister, c'est-à-dire, oui, il y a des motifs importants du côté du shonen qui viennent d'Attack Number One et d'un certain nombre shoujo. Oui, il y a une influence d'un certain nombre d'auteurs masculins, Ishinomori, Tezuka et d'autres sur les autrices des années 60-70, qui est elle aussi importante. Et donc rentrer un petit peu dans les complexités des jeux d'héritage, des jeux d'échange, de la circulation de motifs me paraissait fondamental. Ouais, puis... oui, elle est effectivement influencée par Tezuka, oui. Ouais, bah le manga qui l'a inspiré à devenir mangaka, c'était Shinsengumi, si je me rappelle bien du nom, de Tezuka. Oui, c'est ça, de Tezuka. Elle était lycéenne et c'est ça qui lui a donné envie d'être mangaka. C'est ce qu'elle disait aussi lors de la... Même à Angoulême, elle l'a dit. Mmh. Et en fait, pour apprendre à dessiner du manga aussi, il y avait Ishinomori qui avait aussi publié un manuel et elle a beaucoup appris dedans, par exemple. Bah, du coup, je vous propose justement, comme ça, on glisse un petit peu, on a posé juste quelques bases. N'hésitez pas dans le chat, c'est un peu compliqué. Julia, t'as commencé comme ça en disant, ouais, non, on peut pas, dire. Bon, on a essayé d'expliquer. Bon, il faudrait sans doute rajouter des choses aussi du côté. Je vous renvoie notamment au podcast d'Ariane et Maxime là, de Darkna Chronique et Maxime sur. L'évolution de la femme au foyer, où elle revient aussi sur un certain nombre d'éléments du côté du contexte socio-historique. Il faudrait revenir aussi sur tout ça, quoi, sur ce que c'est que 1969 au Japon, etc. Là, ce soir, on n'a pas le temps de balayer l'intégralité. On est là pour échanger tranquillement et poser quelques jalons, quoi. Je vais vous montrer quelques planches de peau, au moins le début. Donc, du coup, 72 pour Po, donc on est plutôt quand même sur le début de la carrière. Hein. Vous verrez que Barbara, c'est 2002, je crois, hein, Audrey. Il me semble. Hein. On arrive tard, quoi. Donc, c'est bien 2002. C'est ça, c'est 2002. Donc, on va vous proposer quand même, on va vous montrer des œuvres qui, quand même, s'étalent sur 50 ans de vie, quoi. Enfin, de vie créatrice, quoi. Donc, du coup, on voulait juste vous montrer le début et quelques planches du clan des Po. Une de ses œuvres un petit peu phare, quoi. Et je vous montre juste un petit peu le début, et puis je vais vous faire écouter un tout petit extrait, histoire qu'on l'entende quand même. Donc c'est une... Tu me redis, Aïn, l'expo du Centre Pompidou, c'est 2012. C'est 2012, c'était pas une expo, mais c'était un événement qui s'appelait Planète Manga, où trois mangaka étaient venus, dont Moto Hagio, Keiko Takemiya et Fumio Kono. Et donc vous allez l'entendre, elle va présenter un petit peu la composition d'une de ses planches. Je vous montre juste... Le clan des Po, c'est une merveille qu'on vous présente là, le clan des Po. On peut remettre un petit peu hein, cette œuvre dans le contexte, quoi. Le clan des Po, Pono Ichisoku, est un shoujo manga dessiné par Moto Hagio. Sa première série, en fait, c'est ça qu'il faut bien voir. Deux périodes de publication, 72 à 76 dans le magazine Besatsu Chojo Comic de Shogakukan, et depuis 2016 dans le magazine Monthly Flowers de la même maison d'édition. C'était important de rappeler qu'on est ici sur une écriture qui s'étale sur plus de 30 ans, quoi. Enfin, sur 40 ans même. Et donc, on est bien sur une obsession forte de l'autrice, quoi. C'est une œuvre fantastique qui rencontre un certain sujet au Japon, qui devient même un classique, et qui, notamment, et c'est ça qui est intéressant,
C'est tout un travail de critique de manga autour de ça qui ont attiré leur attention sur la déconstruction du mythe du vampirisme. Julia reviendra sur ce qu'on appelle les vampires à cette époque-là et sur le fait que il y a un réinvestissement très propre à Moto Hagio de cette figure-là, quoi. Elle est aussi un peu pionnière dans ce qu'on appelait le Shonen Ai, l'ancêtre du Boys Love. Pareil, il faudrait revenir un petit peu sur ces catégories et nos invités y reviendront. On a cette relation entre Edgar et Alan, tout le monde le rappelle, Edgar, Alan, Poe. Je vous fais juste le pitch un petit peu de ce début de manga, quoi, dont on peut observer déjà les extraordinaires planches couleurs, quoi. Maribel, Edgar, je suis ici, je suis là. On a déjà l'imagerie romantique, le goût des ruines, le vent, le travail sur l'ombre en fait, faire passer le vent par l'ombre. Comme t'es sentimental, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on retourne vers ce village qu'on devrait appeler maison normalement, quoi. La mère nous appelle. Mon frère, suis-moi. Déjà, la planche, là, l'illustration est magnifique. Voilà, la planche. Les illustrations en couleur, c'est quelque chose. Ah oh, ouais, mais tout, quoi. Son bleu violet, là, qu'elle a de temps en temps, il est dingue, quoi. Et il y a pas mal d'illustrations couleurs dans l'édition d'Akata, donc ça vaut quand même la peine de la prendre. Ouais, n'hésitez pas, clairement. Voilà. Ouais, et puis il y a du texte et tout dessus, donc ça. Ouais, de bonne qualité. Aussi une très belle, un très beau lettrage aussi dans l'édition d'Akata. Franchement, c'est magnifique. Quand j'ai lu mon tome, il y avait plein de fois où je me suis arrêtée. Comment l'illustration. Et de la mise en page et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique avec un côté très poétique. Pareil que toi, moi aussi, j'ai dû mettre, je crois, 3 ou 4 heures à le lire juste parce que je voulais admirer chaque planche à chaque fois, en fait. Mais oui, c'est tellement beau. C'est quelque chose qui se savoure, vraiment. D'ailleurs, tant qu'à faire qu'on parle du clan des pots, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait... présenter l'œuvre sans spoiler, bien entendu, mais faire un petit résumé de quoi ça parle, vite fait. Alors, où est-ce que t'arrêtes le spoil dans le clan des pots? Oh, bah. Faut quand même donner envie de lire. Pour l'exercice? Ah non, moi je l'ai. Je ne l'ai pas encore lu celui-là. J'ai attendu d'acheter le tome 2 au festival avant. Alors, comme on l'a vu, le clan des pots. Conte l'histoire d'une famille, en fait, l'histoire d'une famille recomposée de façon incongrue. Edgar et Maribel sont frères et sœurs. Ils vivent au sein d'une famille dans laquelle il semble bien y avoir des tensions. La mère victorienne, très belle, très très volute, dira-t-on, et de l'autre côté le père qui est dans un rapport heurté avec Edgar, qui semble être une sorte de fils adoptif, et Edgar qui dans cette magnifique scène de première rencontre et très oukeste va rencontrer Alan pour clore le Edgar Alan Poe, essayer de trouver sa voie du côté de ce nouveau village. L'intégralité du clan des pots est surprenante du point de vue de son économie narrative. C'est une histoire éclatée, des histoires enchâssées dans d'autres histoires, un jeu des temporalités. Le vampire
ne vieillit pas. Alors que celui qui raconte l'histoire, lui, la raconte d'un, sous forme d'une espèce de flashback, en fait, quoi. Et donc, on a bien, et c'est sans doute une de mes histoires préférées, d'ailleurs, ce moment où ce vieil homme raconte son histoire avec Edgar, quoi, qu'on vient de croiser dans le récit juste avant. Et il y a comme ça une espèce de... un travail que pouvait faire Anne Rice, mais là, le fait qu'il y ait une narration éclatée est particulièrement passionnant pour pouvoir présenter ce jeu des incongruités vampiresques. Oui, ça va à peu près. Bon, globalement, c'est ça à peau, quoi. Donc, je vous fais juste écouter un petit extrait de Moto Agio qui parle de la planche que, sur laquelle je viens de m'arrêter un peu longuement. Il s'agit donc de la première page, de la page d'introduction de ce récit long, qui est le clan des peaux. Et donc la composition en particulier donc, de cette page, je la trouve admirable, Madame Tchama. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Donc, et bien voilà, on voit comment, effectivement, case après case, la première case c'est correspondrait effectivement à un point de vue de caméra qui ne serait pas encore stabilisé, focalisé. La seconde case, effectivement, eh bien, l'image se stabilise, elle est désormais focalisée. Et puis la caméra s'éloigne. Aussi en retrait un petit peu flou, et on s'approche de lui, donc on le découvre progressivement au fil des cases suivantes de manière plus nette. の漫画の表現の特徴としてやっぱりこのコマ終わっていく構図ってすごく大事ですよね。そうですね、リズムが終わっちゃいますし。そうですよね、はい、でそこでやっぱりこの焦点を変えていくとかこう近づいてくるとか、はい、そういうところは先生ものすごくうまいんですけれども、何かそれは意図的にそういうふうにされているんですか？もちろんあの読者の興味を引くために、そしてあのこの構図や小回りでいくらでも読者の気持ちを乱したり抑えたり引き込んだりすることができます。Oui, l'une des caractéristiques que nous avons dessinées, c'est bien sûr, en termes formels, c'est son caractère séquentiel, c'est-à-dire le découpage en cases, et qui permet toutes sortes de focalisations diverses et de variations sur ce plan-là. Comment est-ce que vous concevez ce caractère-là de notre travail? Bien sûr, effectivement, par le découpage en cases, on peut effectivement s'approcher, s'éloigner de manière très libre, effectivement, de tout ce qu'on décide de représenter. On peut guider à sa guise, effectivement, les points de focalisation, les points d'intérêt, le regard du lecteur. On peut, en fonction de la manière dont on va découper ces cases, à la fois, effectivement, donc, susciter les émotions donc, les plus... comment dire, les plus marquées de curiosité, entraîner le lecteur dans une forme effectivement donc de retournement dramatique, de surprise, voire d'aspect tragique. Cette technique, Tetsukao-sama a appris. Et ce langage de la bande dessinée donc a été mis au point au premier chef par Monsieur Tezuka, donc Tezuka-sama, et un certain nombre de dessinateurs qui ont commencé à travailler dans sa foulée. 最初は学ばれたとおっしゃるんですが、やっぱり萩尾先生のもう世界が今、はい、私たちがもう学ぶというか、そういう時代で、特に先生の場合、詩的な。Ouais, Aline, tu nous avais expliqué hier qui elle était. Non, mais c'était cool de l'entendre un petit peu, de voir d'avoir cette petite. Oh, elle est belle la planche, quoi. Donc elle, j'ai l'impression qu'elle a animé un atelier avec des lycéens à Tokyo ou des collégiens où ils ont refait un Nous sommes 11, et elle vient lui poser des questions, mais elle prend plein de place dans la conférence quand même, cette dame. Non, Aline. D'accord, ok. Mais alors, je vous laisse encore un tout petit peu. OK, ですね。こういう情緒的な感じで、何か人の別れとか出会いとかっていうのを先生よく書かれますですね。Il y a, vous évoquez ces différents mentors, mais aujourd'hui c'est vraiment votre travail, je pense, qui représente effectivement un objet pour nous d'étude, il s'agit pour nous d'apprendre un certain chose. En particulier, je dirais que votre production bande dessinée se caractérise par une forme de poésie, de l'image du poésie graphique, de lyrisme, enfin, tout à fait singulier. Donc, c'est un peu comme ça.
村に残る日と町に行く日との距離がだんだん遠ざかっていくその気持ちも全部共鳴されています。 Ici, donc, dans cette proposition pour représenter effectivement le souffle du vent, souffle latéral, j'ai choisi effectivement des cases effectivement, donc, en longueur horizontale. Et pour cette scène effectivement, donc, de séparation où certains personnages s'en vont et d'autres les suivent du regard, la distance respectivement entre ces différents personnages va croître progressivement. Et donc c'est un motif qui correspond aussi effectivement à ce découpage à l'horizontale. この絵を先生が描かれた当時はですね、あれこれ写真ですよね、貼り付けているんですよ。でその紙と質感が違うので、それがわざわざちょっと変色しているのが分かると思うんですね。これは本当に蔵出しというかですね、普通は出さないんですね。普通印刷物になって綺麗なものしか見せないんですが、今日はあえて裏方を見せるということで、はい。Donc vous avez aujourd'hui une image aussi, donc des éléments qui sont d'habitude qu'on ne montre pas au public, puisque vous savez que la bande japonaise se caractérise par des typographies, donc des caractérisations pour l'ensemble des éléments du texte, en particulier donc dans les bulles. Là vous voyez comment effectivement on travaille pour ajouter effectivement dans les bulles ces différents éléments, ces différentes parties textuelles. D'habitude on ne montre au public effectivement que les documents qui sont imprimés de manière très jolie et uniforme. Là vous voyez bien, parce qu'on veut effectivement partir avec vous un petit peu donc, de cet envers du décor, comment ces éléments textuels sont apposés dans les bulles. Les parties textuelles en fait sont imprimées sur un papier différent effectivement de celui donc des planches, papier qui est donc avec un peu de colle au dos, et ce sont les éditeurs en fait, les employés de la maison d'édition qui découpent les caractères un à un pour les appliquer sur les. Du coup moi c'était pour en revenir à la narration. Donc qui est un petit peu éclaté avec des moments dans le temps qui sont un peu puisés, un peu plic-ploc, n'importe comment. Et en fait, il existe aussi une version chronologique, mais pour la version française, Akata a choisi de prendre la version où ça ne suit pas forcément un ordre chronologique. Et j'ai trouvé justement ça super intéressant parce qu'en fait, on a l'impression de faire un puzzle. Et chaque chapitre apporte une nouvelle pièce. Et c'est vraiment un aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette œuvre. Ça, c'est pas une initiative d'Akata, hein. C'était comme ça, cette narration est classée. En fait, Akata a repris l'édition de ce qui s'appelle, ce qui est sorti pour les 50 ans de carrière de Moto Hagio au Japon, qui était une forme de perfect édition. Et je rajouterais que moi, j'ai trois éditions, une en chinois de Taïwan, une autre en américain, donc chez Fantagraphics, et celle d'Akata, et aucune n'a le même ordre, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est réédité, c'est pas forcément le même ordre en fait de chapitrage en fait donc selon les éditions. Voilà. Pardon. L'ordre de prépublication on l'a, non, on sait. Non. En fait on sait parce que c'est écrit, mais oui. Enfin oui. Ouais, c'est oui non. l'ordre de publication c'est l'édition américaine. Mais ça ne correspond pas à un ordre chronologique quand même. C'est-à-dire que même Moto Hagio, quand elle a diffusé ses histoires, c'était dans l'ordre pas chronologique déjà de base, dans le magazine. Et je crois qu'il y a, Aïn, je crois qu'il y a eu une édition avec l'ordre chronologique des histoires. Je serais assez curieuse de voir ce que ça donne, cette édition-là. Mmh. Mais... Oui, moi je la connais pas en fait, perso, je pense, celle-là. Et comment vous... C'est une spéculation de ma part, mais j'ai un peu l'impression que ça. Tout à l'heure, tu expliquais le clan Nepo en utilisant le terme vampire qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans ce cas-là, mais en grosse comparaison, Dracula là, qui vient de sortir de Sakamoto, ça n'a rien à voir en effet, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme vampire pour parler du clan Nepo. C'est que pour le coup, c'est une version.
du vampirisme qui traverse le temps. Et le fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir une histoire qui est un puzzle complètement déconstruite, ça parcourt exactement ça. L'idée que comme les personnages traversent le temps et se perdent un peu dans ce temps, du fait qu'ils gardent sans cesse leur corps d'enfant, en tout cas pour Edgar et Alan. C'est intéressant que toutes les éditions, j'ai pas du tout le même travail de réflexion sur la quantité d'éditions que Julia et Aïn, mais je trouve ça intéressant que chacune des éditions qu'on puisse voir ait choisi une temporalité différente et que ça ait finalement peu d'impact sur le récit. Et ça me fait penser à cette phrase que Moto Hagio disait récemment sur le fait que quand elle avait enfin pu réécrire à propos d'Edgar et Alan, faire un tome 2 du Clan des Peaux, elle se soit rendue compte, ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas écrit avec eux, elle a eu la sensation de rouvrir une porte, je la cite, de rouvrir une porte derrière laquelle Edgar et Alan avaient toujours été là et que elle se retrouvait devant deux personnages qui avaient à nouveau plein de choses à lui raconter sur les 40 ans durant lesquels elle n'avait pas passé de temps avec eux. Et c'est exactement ça, ce rapport, genre, ce vampirisme et ce rapport au temps qui est complètement détaché. Je pense que c'est en effet des personnages qui ont plus intérêt à exister dans une temporalité déstructurée que sur un récit chronologique. Ça ne doit pas avoir beaucoup d'intérêt, en fait, de lire une forme chronologique du clan Nepo que les autres formes qu'on puisse en connaître. Super. C'est cool. Je pose la question, du coup, tant qu'à faire. Du coup, l'édition d'Akata, elle reprend une forme, quelle forme à peu près on sait ou... Alors déjà, là je suis allé du coup sur le... Il y a un très bon fan site sur Moto Hagio. Il y a 6 éditions différentes, enfin au niveau ordre chronologique. Il y avait pour l'instant 6 tentatives d'organiser. Mais je comprends pas trop ta question en fait de Link, enfin par rapport à... Bah, au niveau des chapitrages, ils se sont organisés comment, puisqu'il y a, tu dis qu'il y a 6 ordres chronologiques différents, ils ont pris quoi comme ordre, eux, puisque c'est pas chronologique. Bah, enfin, c'est une édition japonaise hein, qu'ils ont traduit. Ouais. Et elle est comment? Bah, elle est en 2 volumes avec le même ordre, en fait. Ordre de sortie, du coup? L'édition perfecte Non. pour les 50 ans de carrière de Moto Hagio. Non, ça a Pardon? été... Ah bon? Bah, C'est si, celle de si, 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 2019, moi, il si, me si, semble. si. Oui, non, c'était non par rapport à Link. Effectivement, oui, Aïn, désolé. Gros cafouillage, là. Ouais, ça m'a fait bugger. Enfin, ça a été organisé. Je sais pas en fait quel ordre, enfin comment ils définissent en fait les ordres des histoires. Oui, il n'y a C'est peut-être pas l'éditeur. vraiment de logique. C'est un Ok. éditeur chez Shogakukan qui s'est dit, tiens, on va organiser l'histoire dans cet ordre-là en fait, tout Ok. simplement. Je pense. Peut-être que l'autrice aussi, peut-être se dit, bah tiens, on va peut-être. Je sais pas si c'est l'autrice ou c'est un éditeur chez Shogakukan qui s'est dit. Parmi les principales structures narratives, nous pouvons donc noter qu'elles dépendent chacune d'un élément précis, lequel lui donne une trame que j'appellerais classique ou éclatée, selon qu'elle joue avec la chronologie et l'ossature, ou la le lectrice. Une structure qui joue avec la chronologie choisira de raconter les faits dans l'ordre ou non, selon ce qui arrange le déroulé de l'auteur. Une structure avec une ossature éclatée se concentrera sur une dynamique différente, un récit dans le récit, une autre intrigue ou la répétition. Là où une structure qualifiée de fausse piste mise tout sur la surprise. On a donc ici une structure qui est pas linéaire, qui joue sur les flashbacks, les récits enchâssés. Une chronologie inversée, elle, qui part de la fin du récit pour remonter jusqu'au début. Et s'il est possible de jouer avec la chronologie d'histoire, il est également possible de jouer avec son ossature, en y intégrant un récit dans le récit, une autre intrigue ou la répétition d'une même séquence. Ces structures adoptent une autre dynamique basée non plus sur le temps, mais la présence d'autres éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'histoire. Et ici, il semble bien que la construction narrative du Clan des Peaux intègre
le motif du vampire, ou plus précisément du Vampanella. Julia, est-ce qu'on a le droit à ce moment-là de parler de Vampanella et de caractériser la réactivation très particulière de Moto Hagio de cette thématique-là? Est-ce une thématique beaucoup utilisée à cette époque-là? C'est le vampire, donc Vampanella, c'est un mot qu'elle a créé, par accident d'ailleurs. C'est quoi cette histoire? En fait, elle a lu un mot. On suppose que c'est Campanella du train de nuit de la galaxie de Kenji Miyazawa. Elle l'aurait lu un peu. Elle l'aurait mal lu. Elle l'aurait lu du coup Vampanella et a trouvé la sonorité jolie. Et s'est dit que c'était un bon nom parce qu'en fait, elle voulait pas utiliser le mot vampire. Ni le mot kuketsuki, qui est le mot japonais pour vampire. Donc du coup, elle a trouvé cette sonorité un peu italienne, très jolie. Et du coup, ouais, c'est une interprétation du vampire qui a commencé à apparaître dans le shoujo des débuts des années 60, par Shutaro Ishinomori. Et que Moto Hagio a repris et elle l'a popularisé, puisqu'en fait les vampires dans les shoujo on a eu pas mal dans les années 60, mais c'était des petites histoires courtes qui allaient pas bien loin généralement, le clan des peaux par contre a un tel succès que ça a redéfini un peu ce que c'était le vampire dans le manga à l'époque, et toujours aujourd'hui du coup le vampire c'est le texte fondamental du vampirisme au Japon, ça reste le clan des peaux. Il y a beaucoup de mangas actuels de vampires qui sont adaptés, qui reprennent un peu la logique du clan des peaux, avec tout le système des roses, ce genre de choses. C'est intéressant. Non, c'est bien, c'est intéressant. Bon, on peut glisser tranquillement. Vous voulez rajouter des trucs sur le sujet de peau? C'est une œuvre qui vous a plu, qui a marqué votre parcours de lectrice ou de lecteur à chacun ou chacune? Justement, j'aurais peut-être une petite question pour rebondir sur ce que Julia disait. En fait, c'est quoi la raison, si elle en a parlé, derrière sa volonté de ne pas utiliser le terme de vampire en tant que tel? Je crois pas qu'elle l'a dit. Aïn, tu me coupes si elle l'a dit. Non, ça me dit rien non plus. Ouais, mais à part que elle expliquait qu'elle aimait pas la figure du vampire jusqu'à ce qu'elle découvre justement les mangas de Shutaro Ishinomori sur le vampirisme. Donc en fait, je pense que, enfin, pour elle, le vampire c'est une créature qui lui faisait peur quand elle était jeune, quand elle était petite. Et je pense que c'est pour ça qu'elle veut pas utiliser le mot vampire parce que c'est un mot qui était associé à un monstre qu'elle aimait pas. Je pense que c'est une interprétation personnelle. D'accord, okay. Moi, je voulais ajouter un petit truc sur ça. Pas sur le vampire, mais sur le fait que, en fait, sans se concerter aussi, à une époque après, quand même, il y a Anne Rice qui avait écrit aussi Entretien avec un vampire, avec justement cette figure d'une adolescente vampire qui ne peut pas, en fait, grandir. C'est à peu près à la même période, mais elles ne se sont pas concertées et ce n'est pas une inspiration de l'une ou de l'autre, en fait. Je vais peut-être t'interrompre, je ne sais pas si on s'est arrêté dessus, j'ai pas l'impression, c'est pour ça que je me permets. Il y a l'âme du manga qui pose une question dans le chat. Est-ce que ça enferme pas trop les personnages dans une case de les définir comme vampires, entre guillemets? Voilà, la question est posée. Ouais, elle est bien cette question. Julia, tu as répondu, il y a une réinvention. Le vampire d'Oshimi, c'est pas le même vampire que celui de l'auteur de Gun. C'est pas le même vampire que celui de Bram Stoker, où il y a une réinvention d'une... C'est l'avantage de ces figures-là, en fait. Elles sont réinvesties en fonction des supports du truc, quoi. Et là, en l'occurrence, effectivement, du coup, ça conduirait à se voiler sur ce qui peut déborder de la figure. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on... Non, vous en pensez quoi? Faire mettre des persos de BD dans des cases, c'est vrai que c'est cocasse. Merci pour ton intervention, JC. Magnifique. Donc, il y a clairement une réinvention. En tout cas, il y a une réappropriation de la figure, une relecture. Tu disais réinterprétation, Julien. Il y a une réinterprétation de la figure et de toutes ces figures tout le temps. Nous, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec des figures de cyborg ou des figures de golem ou des figures de créatures, quoi. C'est toujours hyper intéressant de voir ce que les gens ont,
ont attrapé dans le trope, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher et ce qui s'est dit dans leur rapport avec une certaine actualité, quoi. Vous voulez rajouter des trucs sur Po ou on passe à mon incongruité? Allez, donc incongruité, seule adaptation animée de Moto Hagio, un film d'animation d'une quarantaine de minutes qui date de 1986. Alors je serai là après, je sais pas quel studio a fait ça, quoi. Et donc on est en 1986. En 1975, Moto Hagio sort une petite merveille, un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Nous sommes 11, qui a été, merci Aïn pour ton article. Ça serait cool que s'il y a quelqu'un qui peut mettre l'article d'Aïn dans le chat, son article sur Moto Hagio, qui s'appelle Phylactère et Errance, un truc comme ça, si je me souviens bien. N'hésitez pas et vous aurez une bonne approche. Donc Aïn, tu nous as appris que c'était effectivement pas la première nouvelle, enfin le premier écrit de science-fiction de Moto Hagio. Peut-être quelqu'un veut dire comment Moto Hagio est entré en science-fiction et après on attaquera sur cette œuvre-là. Quelqu'un veut le faire, ça? N'inspire pas, non. Oui, en fait, c'est pas son premier récit de SF. Ouais, son premier récit officiel de SF, c'est Asobidama. Donc, ça se passe dans une ville futuriste sur une autre planète où un garçon qui joue aux billes, en fait, se découvre des pouvoirs psy. Et ensuite, il se retrouve plus ou moins. Après, il se retrouve en fait poursuivi. On a toujours cette idée que la société, en fait, elle étouffe les enfants et tout ce qui est différent, en fait. Et voilà. Donc, et ça, c'est son premier récit. C'est, je ne sais plus si c'était pas en 71 de mémoire, comme ça, je le dis là. Sans doute aller chercher aussi des trucs du côté de la science-fiction. Alors, la différence, le rapport à l'autre, le huis clos, ça lui a bien plu, le huis clos quand même aussi. On va revenir un petit peu dessus. Et donc, comme je vous disais, petite incongruité, je vous présente là donc un dessin animé de 1986, qui est la seule adaptation connue, merci Aïn pour la ref, de Moto Hagio. Et donc, ce dessin animé s'appelle Nous sommes 11. Et donc, on se regarde juste un peu le début, parce que c'est quand même un peu rigolo d'aller voir un truc de 86. Et c'est hyper cool. C'est parti. Donc, il faut. Alors, on va faire ça bien. On coupe l'audio du bureau. On lance l'animé. On ferme la fenêtre. Et là, on est pas mal. On est même au top, j'ai envie de dire. Trop bien, hein. Franchement, c'est trop bien. Thank you.
完全防音のカプセルの中で聞こえるのは回答を打ち出す自分のキーの音だけ。孤独な頭脳との戦いが何時間も続いている。3年ごとに行われる入学試験、受験資格に制限なし。第1次予備試験合格率 0.1%、 第2次予備試験合格率 3.7%、 最終試験に臨んだ者7000名、僕もその一人。あと少しだ、この難関をクリアすれば合格だ。受験番号をチェックする。受験番号をチェックする。よろしい。カプセルを出てドア B26 に行け。よかった。受験票チェック。受験票チェック。チェッカーは、あった。受験票を受け取って、ロッカー46へ行け。次のテストは、宇宙遊泳用のスーツおよびヘルメットを着用せよ。一体何が始まるんだ。これから最終テストのポイントに向かう。最終テストに残ったのは700名。このシャトルには君たち100名が乗っている。テストは10人1組で行われる。テストポイントごとに10人のグループをランダムに受験番号で呼び出す。では諸君、テストの成果を期待している。最終テスト、一体何をやるんだろう。どんなテストでもクリアして、きっと合格してみせると。自信を持て、タダ。お前なら大丈夫。お前は頭もいいし、性格もしっかりしておる。それに小さい頃からの優れた直感力もあるしな。第1テストポイント。第1テストポイント。第1テストポイント。
宙船のパイロットになりたいというお前の夢は分かっておった。しかしお前がコスモアカデミーを受けたいと言った時は正直驚いたものだ。第二テストポイント第二テストポイント第二テストポイント。コスモアカデミーへの道は長い。試験は3年に一度しかない。しかし希望への一歩だ。夢は大きい方がいい。ジョロ。第3テストポイント受験番号 BY73025 受験番号僕だ。 BY73025 揃ったか。では受験票をここに提出せよ。よし、君たち10名は第3グループ。君たちのテストポイントはあれだ。何をやるかは行けばわかる。臭い宇宙船だ。漂流しているのかな。10人いるか。ロックを閉めるぞ。よし、閉めてくれ。こんなところで何がやれるんだ。安全確認のランプだ。そろそろヘルメットを取ってもいい頃だろう。おい、一人多いぞ。そんな一人多い。本当だ、一人多い。一人多い。誰が。どうして。誰なんだ。一グループ10人のはずだぞ。11人いる。一体どういうことなんだ、これは。なぜだ、なぜ一人多いんだ。シャトルを出るときは確かに10人だったぞ。どうなってんだ、いつ増えたんだ。誰か最初から人数を数えていた者はいなかったのか。受験カードは10枚だった。コンピューターミスかな。まさか、最終テストなんだぜ。じゃあどうしてだ、誰が多いんだ。君か。僕は受験生だ。君か。俺だって。俺もそうさ。君か、11人目は。違うよ。でもみんなも顔を見せたらどうだろう。とにかく落ち着かないと。そうだな、その通りだ。我々は孤立している。慌ててみても始まらんだろう。確かにそうだな。君も受験生か。そうです。女だ。君が11人目だな。でも女性もたくさん受験してるんだ。成績が良ければ女の子だって。何？俺のどこが女に見えるって言うんだよ。だって
二度と俺のこと女なんて言ってみろ。ただじゃおかねえ。女なんて大嫌いだ。痛えな、この石頭。コックピットはどこだ。おい、コックピットはこっちだ。あ、待てよ。調整装置が故障したんだ。コックピットへ急げ。En ligne, quoi. Je vais nous mettre en un petit peu plus petit, on va continuer à profiter un petit peu de l'image. Vous avez pensé quoi? C'est rigolo, franchement, ça valait le coup. Ouais, c'est top. Ah, vous avez kiffé. C'est beau, avec les musiques et le bruitage rétro, génial. Ouais, ok, donc ça valait le coup, franchement, ça valait le coup. Je sais pas, j'avais senti pas tant d'enthousiasme que ça au début et tout. Je me suis dit, ah non, je vais pas leur imposer ça et tout, quoi. Oh, si, si, tu plaisantes. Dès que tu m'as envoyé un truc, genre, j'ai retrouvé le film de Nous sommes, j'étais là, oui, trop bien. C'est juste génial. Enfin, enfin, ouais, bon, franchement. Grosso modo, tu. Non, vas-y. C'est, en gros, on va dire, il y a plusieurs élèves dans une académie, c'est dans le futur, et en gros, les meilleurs de. Et en ressort, ils sont répartis en groupes de 10, et le personnage principal ainsi que d'autres donc sont réunis ensemble et ils arrivent pour faire leur dernière épreuve pour valider leur examen dans un vaisseau, et ils doivent y survivre pendant une cinquantaine de jours en autonomie. Et quand ils arrivent dans ce vaisseau où ils sont complètement coupés du monde, bah, ils se rendent compte qu'il y en a un 11e, et tout le monde prétend être un étudiant et personne ne sait qui est la taupe, quoi. Et ils vont essayer, en gros, parce qu'il y aura plusieurs problèmes sur le vaisseau, ils vont essayer de survivre, entre guillemets, à cette expérience-là, tout en essayant de découvrir qui est l'imposteur, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Il faut qu'ils remportent, pour gagner leur concours, on va dire ça comme ça, ils ne doivent pas jamais appuyer sur le bouton d'appel de secours. Alors, ils ont droit de... l'école viendra les chercher, mais bah, s'ils appuient sur ce bouton, en gros, c'est game over. C'est ça. Ils acceptent de ne pas rentrer dans l'école, quoi. Donc, aucun d'eux ne veut appuyer sur ce bouton, et en même temps, bah, ils sont 11. En fait, c'est un peu une sorte d'Among Us. Ça me fait rire à chaque fois quand on fait cette comparaison-là. J'aurais trouvé l'intrus. Non, mais franchement, c'est un manga moi, que j'ai adoré. D'ailleurs, il est disponible dans l'anthologie de Glénat, dans le recueil de la raison. Et d'ailleurs, dans ce recueil-là, on retrouve aussi la suite. Après l'examen, et on voit un petit peu les autres planètes. Donc, c'est vraiment un... Je pense que c'est une nouvelle qui traverse vachement bien cependant SF de Moto Hagio, parce qu'on a l'aspect space opéra, et en même temps, dans la suite, on a un aspect beaucoup plus géopolitique, fonctionnement des sociétés galactiques. Enfin, c'est vachement intéressant, en fait. Elle a créé un univers assez poussé, finalement, autour de toutes ces planètes, nouvelles civilisations. Ouais, franchement, c'est incroyable. Et ça vaut vraiment la peine d'être lu. En plus, elles sont quand même assez longues, les deux nouvelles. Elles prennent quasiment toute la place du recueil, en tout cas, au moins les deux tiers. Donc, franchement, ça vaut le coup. Il y a quatre histoires, et elles prennent les deux tiers, ouais, c'est ça, puisque les deux autres histoires, elles sont vachement plus petites. Donc,
Oui, c'est ça. Je verrais même les trois quarts, en fait. Mmh. Ouais. Quand tu dis de nouvelles, Alice, en fait, c'est que à l'origine, en fait, à Gyo, parce qu'en fait, il y a 11 personnages, et l'idée, c'est une fois, enfin, il y a l'histoire de base, donc l'examen, et après, en fait, Tada et Flore, les deux, on va dire, protagonistes, étaient censés visiter les planètes de chacun des candidats, les uns après les autres. Mais finalement, elle a fait que la première visite du roi, je sais plus comment il s'appelle. Et on sait pourquoi elle a pas fait. Parce que en fait, elle trouvait Ayo a dit que elle trouvait le protagoniste principal Tada trop parfait, c'est ça. Et un personnage trop parfait, en fait, du coup, il a pas de relief, en fait, c'est difficile à manipuler pour elle. Mais même en général, un personnage qui est juste, qui a pas de problématiques, ouais, de défauts, de problématiques, c'est difficile à. Tu peux rien en faire, en fait. Tu l'emmènes quelque part, mais t'as aucune attache émotionnelle à lui. Donc, en vrai, je comprends, mais une petite déception, du coup, de que ce soit pas. Puis, d'un autre côté, quand elle fait ce deuxième volet, du coup, enfin, cette suite de l'académie, elle a pas fait les choses. Enfin, je veux dire, si chacune des planètes, ça va être compliqué comme phrase. Si chacune des planètes devait faire, j'ai un écho. Non. Non, c'est bon. Ça va être compliqué de finir ma phrase. J'ai un super écho. Si chacune des planètes devait avoir la même histoire qu'on a eue sur la première planète, waouh, ouais, ça aurait fait une saga absolument démentielle. Enfin, je veux dire, je trouve ça compliqué de faire une suite après la première planète, quoi. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que, en fait, Agio le dit dans son interview, Flore, c'est son personnage favori, tout court. Moi, c'est un personnage fétiche aussi pour moi, donc, ce que j'espère, en fait, c'est qu'elle finisse par clôturer Po, là, parce que là, elle a relancé Po depuis 2016. Ce que j'espère, c'est qu'elle clôture Po et qu'elle reprenne Nous sommes 11, en fait. Ça serait génial. Mais je pense qu'il y a des choses à faire avec ce personnage, avec Tada. Je veux dire, il est trop parfait, mais il est trop parfait maintenant, entre guillemets. Je veux dire, toute sa relation avec Flore laisse quand même beaucoup de place à une évolution de caractère ou ses responsabilités aussi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de personnalité parce qu'elle ne l'a pas exploité jusqu'ici. C'est une spéculation très personnelle, hein, je sais pas. Bah justement, en fait, ça me fait dire qu'il y a peut-être chez elle, peut-être quand elle laisse vivre ses personnages un peu au-delà d'elle. Je pense par exemple à Edgar et Alan qui attendaient derrière la porte. Là, c'est un peu pareil. En fait, elle a toutes les possibilités pour cabosser le personnage de Tada. Et elle choisit de ne pas le faire. Parce qu'elle considère qu'il est comme ça et puis c'est tout. Et je pense qu'en fait, à un moment, elle se détache des personnages. Alors, ça me rappelle un truc qui n'est pas du tout de la SF. Vous me dites si je suis hors sujet. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, Pierre Bottero. Ah oui. Mon auteur. Ouais, éminemment auteur français de fantasy qui est décédé beaucoup trop jeune, qui avait cette phrase assez marrante à propos d'un de ses personnages, un chevalier qui apparaît au tout début de la quête des Wulan, des mondes des Wulan, je ne sais plus lequel arrive en premier. En tout cas, quand on arrive dans l'univers des mondes des Wulan, on a un chevalier qui débarque, qui est là juste pour prouver que ça y est, on n'est plus dans le monde, on n'est plus à Paris, on n'est plus à Marseille, on est plus, enfin, bref, on n'est plus là dans le monde des terriens, quoi. On est ailleurs. Et surprise, quand Ewulan retourne dans ce monde fantastique, et ben, en fait, dans le bar, dans la taverne dans laquelle elle arrive, il y a ce chevalier. Et qui va la guider vers sa quête? C'est ce même chevalier. Il n'avait pas du tout prévu que ce chevalier reste. Et ça s'est fait un petit peu indépendamment de lui, un peu comme Otto Agio avec Alan et Edgar. Et d'un autre côté, ouais, donc cette logique de laisser vivre les personnages, c'est vachement intéressant. Mais d'un autre côté, si on les pousse pas, si on les a et qu'on les pousse pas à devenir quelque chose, presque pas d'évoluer non plus, quoi. C'est toujours compliqué la reprise du neuf par un auteur ou une autrice. Il y a cette histoire qui est intéressante que raconte Hideaki Anno,
quand il fait les rebuilds d'Evangelion, donc des années après son œuvre phare originelle, il est à l'aise vis-à-vis de la ligne Gendo, vis-à-vis d'un certain nombre de choses qu'il avait envie de creuser et qui répondaient aux obsessions qu'il pouvait avoir à l'époque dans un travail introspectif qu'il avait fait sur lui-même et à quoi correspond Evangelion aussi. Et il est allé voir la doubleuse de Shinji et lui avait demandé « Je suis perdu, je sais pas quoi faire de Shinji, est-ce que tu aurais des pistes ?» Et il a construit en fait le personnage de Shinji qui apparaît du coup en contraste total vis-à-vis de la construction et de l'économie narrative du reste de l'œuvre d'ailleurs, avec la doubleuse de Shinji. Il a construit son nouveau personnage. On fait un petit encart là. Je retourne du côté de la conférence dont Ayin vous a parlé tout à l'heure et Motoagyo a verbalisé, formulé l'origine de son inspiration pour Nous sommes 11. C'est particulièrement intéressant. Écoutez là. Petite parenthèse avant qu'on voit cet extrait. Parenthèse sur laquelle je voudrais vraiment insister, et je pense qu'on sera d'accord sur cette question-là. On aurait tendance à, par la distance et par la grandeur de l'œuvre de la dame, à occulter le côté espiègle de son œuvre la plupart du temps. Il y a une scène comme ça qu'on vient de voir au début de l'œuvre Nous sommes 11, dans laquelle elle fait preuve de cette espièglerie-là. On a le personnage de Tada qui est télépathe et qui demande à chacun des 11 ici présents pourquoi il est là, espérant repérer des mensonges, et un des participants ment. Justement, il est donc épinglé par Tada, et sa réponse est « c'était un test, je voulais savoir si c'était vraiment télépathe », et ensuite il donne une réponse qui est acceptée par Tada. Et elle passe son temps, que ce soit à travers le personnage de Flore ou d'autres, à jouer sur un burlesque très intéressant qui rattacherait peut-être certaines de ses séquences au gag manga. Et c'était important quand même de revenir sur cette légèreté qui hante l'œuvre de Moto Hagio et qui caractérise tout particulièrement son écriture. Dans les années lycées. Il y a un romancier donc japonais moderne qui s'appelle Miyazawa Kenji. 彼氏の小さな短編で、座敷ぼっこっていう小説があります。あ、いや、どうせ。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 い
d'épaisseur, quoi, tout en gardant bien sûr des personnages principaux qui sont plus développés que les autres, mais voilà, du fait qu'il y a ces confrontations liées à ce stress, et ben on a ces 11 personnages qui sont développés au fur et à mesure. Elle est forte cette remarque sur le huis clos, Chloé. Je viens juste de sortir d'une petite étude en fait du film 12 hommes en colère. Et il y a une grande différence en fait entre les deux. On est bien dans les 12 hommes en colère dans un huis clos avec un cas qu'il faut analyser pour le jury et le héros en fait qui va progressivement semer le doute du côté de chacun de ses personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'extérieur en fait, le monde auquel correspond chacun de ses personnages apparaît dans la scène, mais il est écrasé par la sueur, la chaleur, l'absence de ventilo à ce moment-là, et on a l'impression comme ça que le monde extérieur que représente chacun de ces personnages-là n'apparaît que comme une somme de clichés en fait, quoi, qui est happé, magnétisé par le cas. Alors qu'ici, du côté de Moto Hagio, chacun des personnages en fait qu'elle présente, le roi, Tada, autres, sont autant de fils à tirer qui amènent vers un extérieur. C'est pas étouffant en fait. Nous sommes 11. C'est à chaque fois une ouverture, une invitation au voyage, qui pour beaucoup d'entre eux sera remplie. Et justement, ça aurait été intéressant de voir si elle avait développé par la suite les autres planètes de ces personnages, parce qu'en fait on sent vraiment qu'il y a un univers qui a un potentiel assez exceptionnel, et que en fait j'imagine qu'elle a vraiment pensé à la personnalité de chacun de ces personnages en fait, qui sont tous plus ou moins définis, mais qui on a déjà des indices en fait sur leur identité, sur leur façon de vivre, etc. Ouais, t'as clairement raison. C'est vrai que quand on voit la planète du roi et de je sais plus qui, déjà le système qui est mis en place en fait dans cette planète, elle est assez fantastique, je trouve. Et quand on voit certains candidats, le bonhomme un peu baraque et tout ça, par exemple, il a un monde qui a l'air d'être assez hardcore. Il y a des personnages, certains de leur monde, ça a l'air d'être très intriguant. D'autres, par contre, au contraire, ça reste encore très flou. Comme si elle avait gardé une surprise un peu. Je sais que le plus petit personnage, par exemple, je sais plus comment il s'appelle. Par contre, les noms des personnages, à part Tada et Flore, je les ai pas. Mais c'est vrai que. Ouais, t'as vraiment envie d'en avoir plus là, sur cette œuvre-là, Julia. Ah non, mais j'étais en train de fangirliser là en regardant l'animé là. J'ai déjà vu deux. J'ai déjà vu deux trois fois cet animé, donc c'est pour ça quand j'ai relu le manga, moi j'ai moins bien aimé dernièrement, mais je sais pas, ça c'est des. Mais pourquoi elle a pas été adaptée d'ailleurs, c'est une question stupide ça. Pourquoi elle a pas été adaptée en animé, franchement, je sais pas. Il y a pas beaucoup de mangas qui ont été adaptés au final, surtout dans le shoujo de l'époque, à part Glass No Kamen, Rose de Versailles, et puis des trucs comme ça. Voilà, continuez à écrire. Elle a été beaucoup adaptée au théâtre, par contre. Ouais. Ça, c'est un truc, ça serait intéressant, on l'a pas fait là, on n'a pas le temps, quoi. Mais ça serait intéressant qu'on tire ces fils-là du Tarakazuka, je sais plus comment elle s'appelle, la troupe là. Jusqu'à aujourd'hui, des adaptations théâtrales de manga, vous en avez un petit aperçu dans le Oshinoko récent sur comment ça peut fonctionner dans les coulisses, quoi. Et donc ils ont vraiment cette tradition d'aller adapter des mangas au théâtre, quoi. Et il y a tout un dialogue en fait entre le manga et le théâtre qui doit être assez passionnant, j'imagine, à mettre en scène et à comprendre depuis la ville natale de Tezuka, là où il y a la troupe Takarazuka, jusqu'à aujourd'hui une série d'adaptations de théâtre. Il y a des passages dans Karikano aussi où il y a l'adaptation en théâtre qui est mise en abîme et tout. Ouais, ça sera assez intéressant, ça, c'est vrai. Et parce que là justement, on parle de shoujo, de SF, de tout ça, parce que dans le Manben, donc c'était une émission où ils interviewent les t'as un mangaka qui va interviewer d'autres mangaka, et notamment t'as l'épisode sur Moto Hagio.
Notamment pendant cette interview-là, ils étaient en train d'expliquer que le shoujo manga, en fait, c'est très théâtral comme type de manga. Et je pense du coup c'est ça s'adapte. J'ai l'impression que les shoujo manga ont tendance à être plus adaptés en théâtre que d'autres types de manga. Ça après c'est peut-être parce que je suis principalement concentré sur le shoujo et que je remarque plus ça, mais Bah, et aussi en drama. oui, en drama, et effectivement, de toute façon, les dramas, c'est très théâtral aussi, d'une façon de jouer. C'est vrai que je pense qu'il y a un lien à faire ici. Et je rajouterai un truc sur le huis clos et après j'arrête. Mais personnellement, quand j'étais ado, j'étais persuadée de ne pas aimer la SF à cause de Star Wars. Parce qu'en fait, dans ma tête, Star Wars, c'était la SF. Et j'étais vraiment convaincue que j'aimais pas ça. Et en fait, justement, de découvrir le shoujo et la SF dans le shoujo, ça m'a permis en fait de. En fait, j'avais l'impression que la SF c'était juste des vaisseaux qui faisaient piou-piou et puis des combats quoi. Et en fait, dans le shoujo, ça m'a permis d'introduire une dimension humaine. Et je trouve que justement, le huis clos, c'est un très bon procédé pour intégrer cette dimension humaine et développer les sentiments des personnages, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec le shoujo qu'en fait j'aimais la SF et que en fait j'avais une vision complètement biaisée. Et aussi parce que j'avais l'impression que c'était un milieu hyper masculin et que j'avais pas ma place. Mais voilà, ça a été pour moi en tout cas une porte d'entrée vers la SF. C'est sans doute le moment là d'évoquer une œuvre absolument merveilleuse qui sait faire feu du bois du huis clos, quoi. C'est Seven Seeds en fait, de Yumi Tamura, une série de mangas de science-fiction mettant en scène un monde post-apocalyptique où la civilisation humaine a été supprimée après une pluie de météorites. Alors on se retrouve dans un Japon du futur. Ensuite, différentes équipes de jeunes gens envoyées à leur insu par le gouvernement pour perpétuer l'espèce humaine, quoi. Chaque équipe est composée de 7 personnes, d'où le titre de la série. L'histoire suit les points de vue de Natsu, de l'équipe de l'été, d'Anna, de l'équipe du printemps. 2001-2017, le magazine Shoujo Bestukomi, puis dans Flowers, compilé en 35 volumes au Japon et malheureusement introuvable aujourd'hui en France, une merveille. Y avait-il un respect mutuel, un accord entre ces deux autrices, enfin une influence, en tout cas, il était là le moment en fait d'appeler le retour de Seven Seeds en France, quoi. Et récemment, il y a un ouvrage qui est sorti pour les je sais plus combien d'années de carrière d'Yumi Tamura qui s'appelle Kaléidoscope. Et dedans, il y a une interview croisée en fait de Motu Hagio et d'Yumi Tamura que j'aimerais Ah, aussi d'accord, pouvoir ok. lire, mais je ne lis pas le japonais. D'accord, Mais ouais, mais il y a des chances qu'elles s'estiment, hein, toutes les deux. Hein, clairement, clairement. Mais d'ailleurs, Motu Hagio, elle lit dans Great Mystery. Ouais, voilà. Oui, elle l'a recommandé dans les œuvres à lire. Enfin, vraiment une réédition, quoi. C'est incroyable qu'on n'ait pas la série complète en français aujourd'hui, quoi. On a même la première édition, il me semble qu'elle n'était pas complète. Je pense pas Non, qu'il soit allé non, on jusqu'au bout. n'a eu que 10 tomes. On a eu que 10 tomes sur Est-ce la trentaine. Allez lire ça, Faut pas quoi. oublier Don't Call It Mystery qui aujourd'hui est en cours et qui est en flop en fait. Oui, soutenez-le. Transition. Yumi Tamura, Moto Hagio. Retour sur Moto Hagio. Elle partage indéniablement avec Yumi Tamura un goût pour la construction de dispositifs narratifs, dispositifs énonciatifs, qui sont aussi articulés sur des choix graphiques radicaux. Et on a vu le huis clos juste avant. Elle va construire des situations et tirer d'un réinvestissement d'un certain nombre de tropes, de motifs, la possibilité de recréer tout un édifice littéraire à partir duquel elle va développer des obsessions. On voudrait dans cette partie revenir sur trois de ces obsessions-là. Dans une interview récente, elle évoquait son attachement pour le personnage de Flore et la façon dont elle avait articulé sa problématique autour de l'identité à partir d'une caractérisation progressive et problématisée du personnage de Flore. On va essayer de revenir dans cette partie, cette fois, sur un certain nombre d'angles forts de son œuvre, quoi, un certain nombre d'obsessions. On a tendance à tort à réduire les autrices à la case de l'identité. On est autrice, donc on parle d'identité. J'ai eu l'occasion de travailler sur Onisama et en effleurant à peine cette problématique de l'identité, en essayant de prouver que l'essentiel du manga était ailleurs. Mais indéniablement, derrière les questions qui vont être posées autour de l'identité, vont se développer un certain nombre d'obsessions propres à Moto Hagio. La fertilité, la gémilité,
la parentalité, la famille. Et suivons le fil de ses obsessions à travers le reste de son œuvre dans cette dernière partie du stream. Du Princesse Iguane. Ouais, je vote pour Iguane aussi. Alors, on balance un peu les planches d'Iguane. Est-ce que ça avance? Ouais, voilà. Yes, ça tue. Cette illustration, elle était à l'exposition à Angoulême. Elle était même trop belle. C'était ouf de la voir. Ouais. La première en couleur ou celle, ouais, celle-là là. La première en couleur. Celle-là en couleur. Ouais, on n'a pas l'impression que ça s'inscrit dans un... dans une tradition différente de celle où elle inscrit ses mangas. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, avec Moto Hagio, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie évolution dans son travail. Et je trouve que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de lire l'anthologie anglaise Drunken Dream. Parce que, en fait, c'est classé chronologiquement. Et du coup, on voit vraiment l'évolution graphique. Voilà, bah, parfait, merci Julia. L'évolution graphique avec la dernière histoire, The Willow Tree, qui est complètement différente en fait graphiquement des premières, quoi. Et en fait, c'est vraiment bluffant. Je pense qu'on peut tous avoir un moment graphique préféré dans la carrière de Moto Hagio, mais c'est impressionnant de voir à quel point elle se réinvente, quoi. En fait, on suit au départ, donc là sur la première planche, on voit une espèce de pacte qui est en train de se sceller entre deux iguanes. Et en fait, le début de notre histoire, on assiste en fait à la naissance de notre héroïne qui va naître au début et qui et dont en fait la naissance est finalement assez surprenante, puisque notre mère qui est humaine accouche d'un enfant qui a l'apparence d'un iguane. Et dès les premières planches, donc là on le voit pas encore mais ça arrive, on voit en fait la réaction d'horreur en fait de sa mère face à cet enfant qui correspond pas du tout à ses attentes en tant que mère, quoi, qui attendait certainement une petite princesse et puis qui se retrouve avec un iguane, quoi. Et c'est le choc en fait dès l'accouchement. Et par la suite on va avoir toute cette question en fait du rejet et le lien entre cette mère et sa fille qui va être au centre en fait du récit. Donc avec Iguane, du coup, on est sur une thématique qui vous paraît à laquelle l'autrice vous paraît très attachée, c'est-à-dire celle de rapport avec ses parents. Ça fait partie de sa mère, quoi. Enfin, c'est avec sa mère. La relation avec sa mère. Et d'ailleurs, elle en a parlé à la masterclass d'Angoulême. Elle a mis des éléments qui se sont réellement passés dans sa vie avec sa mère qui la rejetait. Et elle explique donc que sa mère a lu ce manga et que elle en a pleuré. Mais qu'elle a quand même continué à rejeter la passion de sa fille et son métier parce que ses parents étaient complètement opposés à sa carrière de mangaka. Et un truc qui est intéressant à savoir aussi, c'est que Moto Hagio, c'est l'une des Benjamin d'une fratrie de quatre. Et ses frères et sœurs sont tous brillants, tous excellents élèves, tous très bons musiciens aussi, il me semble. Enfin, ils font tous la fierté de leurs parents. Et elle, avec sa lubie de vouloir absolument être mangaka, ça passait très très mal. Et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans Ma part d'ange. Et il y a une relation avec la fratrie qu'on retrouve dans Princesse Iguane et qu'on retrouve aussi dans Ma part d'ange. C'est que du coup, l'iguane est sans cesse mise en comparaison avec une princesse, avec sa une petite sœur qui est une princesse qui est mise sur un piédestal qui correspond à l'idéal. Et j'ai l'impression que c'est aussi très important dans toute cette part de manga thérapeutique. Qui font une grande partie finalement de l'œuvre de Moto Hagio, j'ai l'impression. C'est clairement une part de son enfance et de sa vie avec sa famille. La sœur dans l'histoire correspond autant à un idéal pour un parent, mais aussi à un idéal de jeune fille pour les codes en fait de la société, à savoir elle fait pas trop de vagues.
Elle a des notes correctes, mais pas excellentes. En fait, elle va faire la parfaite épouse, quoi. Et c'est vrai, ça, je suis d'accord. Surtout que dans La Princesse Iguane, on voit l'héroïne à un moment jouer au baseball. Elle est très forte aussi. C'est pas un modèle du tout. Tout ça, bien sûr, est sous le prisme d'une superbe métaphore qu'on vous invite à découvrir directement en lisant Princesse Iguane. Voilà, quand même. Oui, qui est donc disponible dans l'anthologie de Maud Baggio chez Glénat, dans le recueil de l'humain. C'est que c'est un récit de 1992, donc quand on parlait de son trait. Moto Hagio et la parentalité. On ne pouvait pas, à ce niveau-là, faire l'impasse sur ce manga extraordinaire qu'est Zankoku Nakami Gashiai Suru, un shoujo manga écrit et dessiné par Moto Hagio, qui suit les aventures d'un adolescent nommé Jérémy, dont les sévices sexuels et corporels qu'il subit aux mains de son beau-père le poussent au meurtre de ce dernier. Et le récit de la longue reconstruction psychologique du jeune garçon, là vous en voyez les premières planches, c'est un enterrement, Jérémy est présent, Jérémy, est-ce que tu vas bien ? Un travail sur la composition de la planche aussi, par la répétition. Ils ont déjà abandonné quant à la guérison possible de son père. J'aurais pas dû les écouter. Et là, ce Jérémy, en fait, qui se répète, il aurait dû mourir. Pourquoi dans la voiture ? Pourquoi dans la voiture, Sandra ? Sandra, pourquoi ? Pourquoi dans la voiture ? Aussitôt qu'il est arrivé dans notre maison, un certain nombre de choses étranges se sont passées. Mon père s'est remarié, mais quand Sandra et son fils sont venus vivre près de notre maison, j'ai senti et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans, un accident de voiture, quelque chose qui ne va pas avec la conduite de mon père. Est-ce que c'était un accident ? Ça devait l'être. C'est un meurtrier. Le début, suspense, la planche pleine, le dieu sauvage. Et ensuite, l'arrivée de Jérémy, son rapport avec ses petits camarades, et le déploiement d'une histoire qui est extrêmement éprouvante et qui est une des séries longues les plus fortes de son autrice et qui va nous permettre comme ça de refixer un certain nombre des obsessions qui ont hanté Moto Hagio. Et personnellement à l'exposition c'est les planches qui m'ont le plus marqué, les planches de cette œuvre. Enfin, c'était vraiment impressionnant de les voir en vrai. Si elles étaient toutes impressionnantes, c'est vraiment, je trouve, ce passage qui... On sent toute la tension, en fait, de l'œuvre. Il y a quand même un gros truc sur la parentalité. On voit quand même l'histoire. En fait, on peut le dire, en fait, c'est l'histoire. En fait, parce que c'est pas un spoiler, c'est dès le début. C'est l'histoire quand même d'un adolescent qui vit aux États-Unis avec sa mère dans une famille monoparentale. Sa mère qui n'appelle jamais maman, qui l'appelle tout le temps Sandra déjà. Oui, qui l'appelle Sandra. Il y a un rapport quand même assez spécial là-dessus. Et qui, elle, va se remarier avec Greg, qui est anglais. Et ils vont partir en Angleterre. Mais Greg, en fait, fait subir les pires sévices à Jérémy. Donc, ouais, c'est un manga assez horrible. Voilà. Et en fait, Sandra, en fait, c'est une personne, c'est la mère de Jérémy, mais c'est une femme-enfant. C'est-à-dire que elle est jamais là pour le protéger. En fait, c'est même lui qui, on va dire, sacrifie son bien-être pour le bonheur de
pour le bonheur de sa maman qui est tombée amoureuse de Greg, etc. Il fait même à un moment une sorte de chantage affectif, très 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 poussé, on va dire. Donc c'est elle montre quand même que les adultes ils sont incapables en fait de protéger en fait les enfants. Et c'est pas la première œuvre dans laquelle on voit cela. Elle a une idée de la parentalité qu'on trouve aussi dans Pauvre maman, qui est un récit qu'elle a écrit pour la fête des mères. Et donc c'est bon, voilà, on voit ce qu'elle en pense de la fête des mères, hein. Et oui. Et puis surtout, avant Zankoku Nakamiga Shiraisuru, il y avait aussi une première mue. Il y avait aussi une première mue dans Mesh en fait, qui commence en 1980 avec lequel il y a l'apparition de la revue Petit Flower qu'on a presque créée en fait pour publier en fait des mangas plus matures de Moto Hagio. Et qui est une grande revue qui a donné le Flower justement dans les années 2000. Et en fait, dans Mesh aussi, il y a toute cette histoire d'un... Bon, Mesh, en fait, elle l'a écrit suite à une dispute très violente avec ses parents. Et donc le héros, c'est le synopsis qu'on voit le plus souvent, veut tuer son père qui est un gangster. Ça se passe à Paris. Et en fait, tout au long, on voit Mesh en fait rencontrer beaucoup de personnes. Il y a cette histoire, évidemment, avec ses parents. Un père qui l'a abandonné, qui l'a mis dans un pensionnat. Et en fait, on voit tout ce parcours de Mesh pour trouver quelque part une émancipation. Donc, c'est l'émancipation, en fait, individuelle traverse, en fait, pour moi, toute l'œuvre de Moto Hagio, même dans Nous sommes 11, où il y a Flore, en fait, et toutes les personnes qui sont venues dans cette université d'élite, en fait, de intergalactique, afin de se réaliser aussi, et d'échapper peut-être à un destin familial. Ouais, c'est intéressant. Ça. Enfin, partout, tu retrouves ces figures des parents. C'est omniprésent. En fait, je dirais que c'est à des degrés différents, en fait, à chaque fois. Elle choisit de le développer plus ou moins. Mais en fait, c'est comme... c'est une sorte de spectre, quoi. Enfin, de la parentalité qui est toujours un petit peu là et qui est toujours présente dans son œuvre. Mais pour revenir sur La Princesse Iguane, je trouve que c'est vraiment l'œuvre qui, je trouve, cristallise vraiment toute cette tension et qui, en quelques pages, nous fait comprendre, en fait, toute cette tension autour de cette question du rôle des parents et de leur place. Ouais, bon. Je trouve que La Princesse Iguane est un manga un peu plus... où ça s'apaise un peu, en fait. C'est un peu moins violent, justement, sur, dans cette évolution, surtout sur la fin de la... Il y a quelque chose de... Je dirais pas que c'est joyeux, la fin, mais plus d'apaisé, en fait, je trouve, dans son rapport, justement. Et c'est quoi son rapport avec sa mère à Moto Hagio? On le sait. On le sait, en fait, elle en a parlé en long, en large. Non, en fait, elle est... Ouais. Disons qu'elle est... Elle est assez vocale sur ce sujet. Ouais. Et donc, ça se passait pas bien. Non, ça se passait pas bien du tout. Elle a été... Elle racontait elle-même pendant les conférences qu'on a pu voir à Angoulême qu'elle est très très fâchée avec ses parents. Elle est très pendant 3 ans elle leur a pas parlé. Il y a une phrase sur laquelle j'aimerais bien revenir mais qui moi me pose problème parce que la traduction a été mal faite pendant la masterclass là-bas. Il y a toute une période où elle ne parlait plus à ses parents. Elle avait envie de les effacer de sa vie tellement ça allait pas. Malheureusement, pendant la masterclass, ça a été traduit par « j'avais envie de les tuer ». C'est pas ce qu'il a dit. Et c'est pas ce que l'autrice a dit. Elle a dit qu'elle avait envie de les effacer de sa vie. Tellement ça allait pas. Et vraiment, ça a été quelque chose de très, très douloureux pour elle toute sa vie. Et elle se cache pas du tout du fait que c'est là où elle puise le plus pour écrire. Elle a même l'une des œuvres les plus violentes qu'elle ait faites. Un nom absolument imprononçable, je ne vais pas m'essayer à le dire en japonais, qui a été traduit par « Sous la domination d'un dieu impitoyable » pendant l'exposition à Angoulême, et qui raconte le viol d'un gamin par son beau-père, et au point qu'il ait envie de les tuer. Ça, c'est l'histoire de départ. Elle dit elle-même que elle a mis toute sa noirceur à l'intérieur de cette histoire-là. Pareil, je répète ses propres mots.
Mais celle-là, ça vient de... Sa propre... Même cette histoire-là vient de sa relation avec ses parents. C'est dire à quel point ça allait vraiment pas. Mmh. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, donc vous avez été marqué. Vous diriez que quelles autres œuvres seraient marquées aussi par... vous diriez toutes, en fait. C'est ça. Ah ben, est-ce que vous voulez... Même Mèche, comme je disais, en fait, c'est... Ouais, t'as vu, Mèche, j'en ai mis quelques planches, regarde, je l'avais laissé un petit peu. Mais Mèche, c'est un peu l'avant-chapitre, de l'avant Zankoku, en fait. Zankoku, ça date de quand, du coup? Enfin, à peu près, quoi. Ça traverse toutes les années 90. C'est non, son manga okay. De la décennie, c'est Zankoku Nakami Gashihai Suru, qui fait 17 volumes. D'accord. Son œuvre la plus longue, en fait, aujourd'hui. Juste pour dire, du coup, Zankoku, c'est sous la domination d'un dieu cruel. Oui, c'est ça, c'est le même. Même. Merci. Ouais. C'est, ah. La même, c'est celui-là que je ne voulais pas essayer de dire. Zankoku, on dit, mais je ne veux pas essayer de le dire en japonais tout le temps. Je ne veux pas m'y essayer, c'est trop compliqué. Si. Ça, elle en parle pas mal. Pendant longtemps, l'écriture pour elle, enfin le dessin, c'était une façon de se libérer de ça, sorte de d'atteindre quelque chose de beau. Elle parlait de beauté, parce que sa vie, notamment avec ses parents, était laide. Donc c'est pour ça qu'elle, notamment, elle a versé beaucoup dans la science-fiction, dans le boys love, ce genre de choses, parce que c'était les échappatoires, en fait, face à sa vie. Quand elle travaille sur la fille Iguane, sur la princesse Iguane, sur Mesh ou sur Zankoku, là, c'est au contraire, c'est qu'elle s'attaque du coup justement à la leader de sa vie, en fait. Et qu'elle essaye de s'en échapper. Enfin, pas de s'en échapper, mais de guérir, de soigner un peu ça, de l'affronter. Du coup, en fait, ouais, les œuvres de science-fiction ou de fantastique de Hagio, c'est explorer un imaginaire beau. Mais il y a toujours quand même ce spectre familial, soit dans le clan des pots, dans Nous sommes 11, dans Marginal, il y a toujours un peu ce spectre familial, quoi qu'il arrive, effectivement, on le trouve quasiment partout. Et dans certaines œuvres, elle le travaille vraiment à corps. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Moi aussi. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la liberté, parce que c'est Bruno Dakata qui m'a redit un passage, je crois que c'était soit de la masterclass, soit de la conférence avec la presse. Elle faisait, en fait, elle retraçait l'histoire un peu du shonen et du seinen en disant que bah, les mecs, ils étaient un peu nostalgiques, ils avaient un peu toujours, ils lisaient toujours un peu les mêmes choses. Et en fait, elle retraçait après l'histoire du shoujo et elle disait qu'en fait, le point commun entre tous les shoujo, c'était finalement le désir de liberté. Et en vrai, je trouve que c'est hyper fort de dire ça. Je sais pas, quand on parle d'écriture féminine, d'un manga à destination d'un public féminin, de dire que finalement ce qui traverse toutes ces œuvres, shoujo, et ce qui les relie, c'est finalement ce désir de liberté. Enfin, je sais pas, je trouvais ça beau. Et du coup, bref, je rebondis sur ce que tu disais, Julia. Non, c'est vrai, c'est super beau. Super beau en vrai. C'est beau, c'est d'un côté intéressant. Je trouve qu'elle est cette grande clairvoyance finalement sur. Sur ses productions à elle, et ce qui me fait dire que oui, justement, elle est honnête dans son approche. En fait, elle a beaucoup de recul, et je trouve qu'elle affronte ça avec finalement peut-être beaucoup de courage et peut-être même de stoïcité d'une certaine façon. Je pense que c'est aussi, c'est peut-être aussi l'âge, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'elle a écrit toutes ses œuvres et que maintenant elle commence un peu à avoir peut-être du recul sur tout ça et qu'elle est capable. De mettre des mots sur ces choses de façon très claire, quoi. Enfin, que finalement, toute cette carrière a essayé d'un petit peu de construire quelque chose, à mettre un peu de soi partout, et ça lui a permis finalement d'avoir cette clairvoyance. Au début, j'ai passé quelques planches de Marginal, quoi, qui sont belles aussi. Elles sont belles, ces planches, quoi. Quelqu'un peut dire de quoi ça parle, Marginal, ou qu'est-ce qui ça? Ouais, alors Marginal, c'est un manga de science-fiction
plus ou moins post-apocalyptique, où du coup la terre en fait est devenue un peu, on peut dire, stérile. Et sur cette terre, du coup, il n'y a plus que des hommes qui vivent, il n'y a plus de femmes. Sauf une femme qui est considérée comme la mère de l'humanité et qui enfante tous les hommes de la société. Et au tout début du manga, il y a un groupe terroriste qui assassine la mère. Donc c'est littéralement, il assassine la reine mère, ce qui va créer un chaos dans le gouvernement qui va essayer de trouver une remplaçante parmi la population terrienne. Et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne en fait tout ce monde. Et du coup là, ça va beaucoup explorer tout ce qui va être la bio-ingénierie sexuelle. Parce que du coup, ça va beaucoup parler des thèmes de personnages qui sont aux frontières de la binarité sexuelle. Oui. Moi personnellement, en fait, en tant que femme trans, en fait, moi, quand je suis tombé sur Moto Hagio, ces œuvres de science-fiction qui explorent toutes ces questions d'identité, de genre, de sexe, ça m'a immédiatement parlé. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais besoin de ça à l'époque, quand je suis tombé dessus. Donc les œuvres typiquement Marginal, ou même Nous sommes 11, un peu plus. Là, j'ai A Prime aussi qui est là. Donc là, c'est un système de clonage et c'est pareil, des personnages un peu intersexes, etc. Enfin, personnellement, moi, ça m'a énormément parlé. C'est ça qui m'a fait tomber amoureuse du manga, du shoujo manga, en fait. Donc, pour moi, Moto Hagio, c'est un peu la déesse mère du manga, enfin, personnel. La déesse du personnel. Merci, Julia. C'est vrai qu'elle a une façon vraiment propre d'explorer. En fait, c'est assez compliqué d'aborder ce sujet-là, parce qu'elle elle a dit quelque chose lors de la visite qui a un peu été, pas une douche froide, mais qui m'a un peu posé question. C'est que la raison pour laquelle elle explique qu'elle se concentre davantage sur des personnages masculins que des personnages féminins, c'est que ça, pour elle, pour elle, c'est plus facile. En fait, elle peut se permettre de... elle avait dit un mot du type fantasmer, mais pas fantasmer, d'idéaliser les personnages féminins, les personnages masculins, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec des personnages féminins parce que c'est une femme, donc elle peut pas idéaliser les femmes. Et elle préférait pouvoir idéaliser des personnages, du coup, masculins. Et du coup, ça m'a un peu... J'aurais vraiment aimé avoir plus de réponses que ça sur son approche de personnages androgynes où elle explore vraiment la fragilité masculine, où elle transforme complètement les stéréotypes de genre à travers des personnages qui sont quasiment totalement dénués de... ces personnages masculins sont hyper tranchés et ils sont assez rares finalement à avoir ce marquage de la masculinité qu'on peut voir dans le shonen, dans le seinen. Et traduction, entendre masculinité toxique, hein, je suis désolée. Et avoir justement des codes de masculinité qui sont hyper doux, hyper tendres, hyper pas fréquents dans le manga en général. Et ça. Vraiment, ce fait qu'elle dise c'est parce que je peux les idéaliser des hommes. Moi, j'avais vraiment envie d'en entendre plus, mais genre vraiment beaucoup plus sur cette question-là. Je ne sais pas si vous avez des réponses, davantage de réponses à apporter sur ce volet-là. J'avais lu dans une interview que justement à l'époque, il y avait des codes qui l'empêchaient de faire n'importe quoi à des personnages féminins. Genre, les personnages féminins ne pouvaient pas courir, être téméraires, avoir des comportements dits masculins. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé aussi des stratagèmes, comme le personnage de Flore, qui a une particularité spécifique qui fait qu'elle pouvait justement se comporter comme un homme, quoi. Un exemple sur le... Alors, tu as dit quel titre ?
Non, tu sais, le Attack Number One avec les volleyeuses, là, c'était avant, hein, ça date d'avant, en fait. Oui, enfin, Attack Number One, ça peut pas renverser la table tout Non, seul. C'est un voilà. manga, voilà. donc, Attack Number One, c'est un manga de volleyball. Et l'autrice était très féministe et utilisait beaucoup ce manga pour exprimer des idées féministes à l'époque. Il datait de 66, 67, je sais plus. Donc c'est un petit peu avant Inguyo, mais enfin, même si ça a été un gros succès, il peut pas changer la société à lui tout seul, quoi. Quand même, enfin. Non, bien sûr. Ouais, donc Et ça, bah, il y toi, avait elle des a choses. grandi aussi dans une époque, dans un milieu, et ça façonne en fait chacune aussi. Elle disait aussi ça dans l'expo. Il y avait aussi un encart sur, et puis ça c'est aussi une histoire connue, sur justement le cœur de Finalement. Thomas, où elle a voulu faire avec deux personnages féminins, et effectivement c'est ce que disait Aquarelle là-dessus, que ça ne que pour elle ça ne fonctionnait pas. Donc quand, elle avait deux versions et elle a préféré la version avec des garçons. Mais Parce que la d'ailleurs, version féminine était niaise. Je répète, hein, c'est l'expression. Elle trouvait la version féminine du pensionnat de novembre qui a donné le cœur de Thomas niaise et inintéressante. Ok. Parce que j'avais vu passer, je ne sais plus sur quelle interview, il n'y a pas longtemps, qu'elle expliquait que si elle avait pris des personnages masculins, je pense que c'était dans le cœur de Thomas, c'était pour faire une romance égalitaire. Passage, je sais Aussi. pas si vous l'avez vu cette citation. Si, si, Ça mais c'est m'a. pas la. Mais elle n'est pas la seule en fait. C'est d'autres autrices de son époque aussi. Et c'est aussi un peu ce qui a donné le boys love plus tard en fait. C'est aussi cette comment on appelle ça, cette relation. On évite la relation totalement asymétrique homme-femme dans Oui, une avec la femme dans soumise. le couple en fait. Oui, c'est ça. Et puis aussi libérée de la. Du fardeau, on va dire, d'une maternité, voilà. Ouais. Oui, parce que justement dans cette interview-là, je crois que c'est l'interview pour Nouvel Obs, je crois, un truc comme ça, elle dit que dans l'absolu, une relation entre femmes pour elle aussi est égalitaire, mais elle serait pas capable en fait de le dessiner parce que, enfin, elle est toujours pas à l'aise en fait avec les personnages féminins en fait, qui restent trop restreints pour elle. Je pense qu'en fait, elle est de son époque, quoi. Elle a grandi dans les années 60. Du coup, elle a dû vraiment beaucoup intérioriser tout le patriarcat. Elle n'arrive pas vraiment à sortir de ça, alors que des autres, aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour des personnes voilà, plus jeunes, qui ont 20, 30 ans, de faire des romances entre femmes. Et plus forcément avoir besoin des romances entre hommes pour avoir une liberté totale et une égalité en même temps, en fait. C'est un peu. D'ailleurs, on le voit en fait, ce que tu dis sur les personnages féminins chez Moto Hagio, quand on lit beaucoup beaucoup de ces mangas en fait, dans le couple, certains personnages féminins sont un peu pénibles en fait, ou capricieux dans ces mangas de danse, par exemple, la route vers Rome en fait, qui se passe dans une école de ballet à Paris. On le voit aussi même sur la Même sur la deuxième partie en fait de Nous nous sommes 11, avec Flore qui a un comportement que je trouve un peu, enfin voilà, perso, c'est mon avis moi que je trouve un peu insupportable. Et les et voilà, après il y a les mères aussi déjà qui sont, bon voilà, comme on le sait, et Sandra est l'une des pires mères que voilà, bref, j'ai la chair de poule moi quand je repense à Sandra dans Zankoku Nakamiga chez High Solo. Et donc oui, les personnages féminins, vraiment, ils sont pas, enfin, bref, voilà quoi. Est-ce que c'est pas C'est le déjà des moment? éléments de réponse. Ouais, Ouais. c'est passionnant ce que tu développais. Vas-y, Julien. Parce que enfin, là, on parle de Moto Hagio, mais c'est le cas de beaucoup de mangaka de cette époque, enfin, de femmes mangaka. Par exemple, enfin, on parlait du groupe de l'an 24 au tout début. Il y a une autre mangaka du groupe de l'an, enfin, qu'on assimile à l'an 24, c'est Lyoko Yamagishi, qui est pareil, hein, que elle, les corps féminins, enfin, les personnages féminins, ça a un côté un peu horripilant pour elle, hein, aussi.
Même la vision du mariage est flippante dans Hiizuru to Koro no Tenshi. Ouais, c'est ça. C'est assez affreux, quoi. Il y a plusieurs femmes mangaka de cette génération-là qui rejettent en fait toute une partie de la féminité, de la maternité, etc. Et Agio en fait partie, mais c'est pas la seule. C'est pas une particularité à elle. C'est une particularité de plusieurs mangaka de cette génération. Ouvrir un autre fil. Le cœur de Thomas. Thomas no Chinzo. Shoujo manga écrit et dessiné par Moto Hagio en 74 et prépublié dans le magazine Shukan Shoujo Comic de Shogakukan. Un des premiers exemples de manga shonen high, alors catégorie encore à revoir par rapport à ça, quoi. Ancêtre du Boys Love. On a bien deux courtes œuvres complémentaires, une préquelle et une suite, inspirées par les Bildungsromanes, des romans d'apprentissage, de formation, du romancier Hermann Hesse qu'elle adorait particulièrement. Ça raconte le sacrifice d'un jeune garçon, Thomas, pour sauver le garçon qu'il aime d'un important traumatisme qui le hante. Un classique absolu, une merveille, adapté plusieurs fois. Le cœur de Thomas, pour reposer là derrière la question de la parentalité, celle de la gémelléité, et celle aussi, évidemment, de l'amour. Dans le cœur de Thomas, c'est aussi... Pour moi, il y a une espèce de trilogie thématique entre... Il y a quelque chose entre le cœur de Thomas, Mesh, et qui va aboutir en fait à la fin à Zankoku Nakami Gashihai Suru, justement. C'est un truc je pense court. Pas non plus. Et déjà, lui, c'est trop hard déjà, mais seuls les Italiens ont de la chance. Ils l'ont en 10 volumes, et je crois que le volume 7 est sorti il n'y a pas longtemps, donc ça sort quoi. Vite. Ah, t'inquiète pas, ils vont ouvrir la veine Moto Hagio, ils vont l'épuiser jusqu'au bout, ne t'en fais pas. En fait, oui, mais c'est sur beaucoup, beaucoup d'années. Personnellement, moi, ça fait une dizaine d'années que j'en ai marre, en fait. Donc, je ne tiens plus. J'ai pas... La patience n'est pas une de mes plus grandes vertus. Mais en plus, plus de 10 ans, ça pèse, en fait. Voilà, je veux dire, voilà. Je compatis. Bon, j'ai adoré Thomas, mais franchement, ça fait tellement longtemps, je préfère pas m'y risquer. Le cœur de Thomas, ça se passe en Allemagne, dans un pensionnat pour garçons. Tout au début, c'est pas un spoiler, Thomas meurt. Oui, je sais, c'est le garçon qui est sur le titre, mais il meurt en se suicidant, en se jetant sur les rails d'un train, quoi. Et donc, il laisse en fait une lettre à Yuli, Julius Moll, qu'il aimait d'un amour platonique. Et donc Yuli, le héros, il se retrouve avec ça et entre en scène en plus dans le pensionnat peu après un autre élève qui s'appelle Eric et qui ressemble vraiment beaucoup à Thomas et ça fait un peu fantôme. Donc il y a aussi l'idée du double et de la gémellité qui parcourt l'œuvre aussi de Moto Hagio, ça on n'en a pas parlé du tout. Mais bref. Et donc voilà, c'est donc une œuvre en fait. On va dire qui, lorsqu'elle est dans la masterclass, elle expliquait qui ne marchait pas, qui avait été missionnée par son éditrice pour concurrencer, on va dire la Rose de Versailles qui cartonnait à mort. Et en fait, cette œuvre ne marchait pas. Et c'est les bonnes ventes du Clan des Pots en fait qui a sauvé en fait le cœur de Thomas. Mais c'est donc cette vie, ce quotidien en fait de Julius Moll dans ce pensionnat et donc on va aborder à un moment un traumatisme en fait où il y a le motif de la perte des ailes qui est là en fait et qui va aussi parcourir d'autres œuvres comme je disais et Julius Moll aussi il y a des histoires de famille en fait qui sont pas enfin, sa famille n'est pas aussi ponctionnel, on va dire qu'on le pense en fait au début. Je sais pas quoi dire pour ne pas non plus trop en dire. Moi personnellement, je pense que le cœur de Thomas étant une œuvre quand même fondatrice en fait chez Moto Hagio, je pense qu'elle va en plus revenir en français un jour. Enfin, moi j'ai pas de scoop là-dessus, c'est juste je pense. Voilà. Donc et effectivement, c'est une œuvre qui n'est plus disponible chez Kazé en papier, mais je crois qu'en numérique, elle est toujours là. Et qui c'était la première première œuvre sortie en France de Moto Hagio en fait en 2012.
Quand j'avais travaillé sur Disney, j'avais été marqué par le fait qu'il n'y avait pas de naissance chez Disney. Tout est en dédoublement de bulles, en dédoublement de fonce-dé. Il n'y a pas de naissance chez Disney, quoi. De la même façon, il semble bien que derrière les thématiques de la gémellité se cache aussi une espèce de déni de la naissance et une obsession autour de la question de la fertilité. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction et citer un certain nombre d'œuvres qui permettraient de comprendre le lien qui peut exister entre le développement de motifs autour de l'identité, celui qui est noué autour de la gémelléité et peut-être derrière la hantise de la famille, la hantise du rapport à la mère, quelque chose de l'ordre d'une réflexion forte, sans doute aussi forte que celle de Frida Kahlo, autour de la question de la fertilité. Il y a Marginal déjà. Donc Marginal, pour moi, c'est le gros manga SF des années 80 de Moto Hagio qui commence en 85. D'ailleurs, la même année, en fait, Total Hasard. Au Canada, il y a Margaret Atwood qui écrit La Servante Écarlate, donc The Handmaid's Tale, aujourd'hui qu'on connaît ce nom en série, qui parle aussi de problèmes de fertilité. À part ça, dans Gin no Sankaku, donc Le Triangle d'Argent, c'est un manga qui est très, 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 dont l'histoire est extrêmement complexe, en fait. On parle d'un peuple très, 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 très ancien. Alors, c'est un futur très lointain. Mais on parle d'un peuple très ancien, très mystérieux, pour lequel la musique est très importante, où il y a aussi des sortes de liseurs de rêves. Donc, pour les fans de Clamp, hein, ça doit... Voilà. Donc, en fait, dans Gin no Sankaku, on a ce peuple où les enfants peuvent naître tous les 6 ans. Donc et en plus les enfants sont fragiles. Là aussi il y a une histoire de fertilité qui traîne déjà. On est en 1980, en 85 elle écrit Marginal. Quand tu parles de la gémilité, il y a aussi souvent des histoires de clones aussi dans les histoires de SF de Moto Hagio, de clones qui ont des souvenirs aussi d'un autre double ou qui n'ont pas tous les souvenirs. C'est le cas dans Gin no Sankaku, c'est aussi le cas dans A.A. Prime, par exemple. C'est vrai que régulièrement, il y a des mondes où les enfants ne peuvent pas... comme Marginal, il y a la mère, justement, qui est la seule à donner des enfants, mais qui commence à vieillir. Donc, en fait, quand on parlait d'un groupe terroriste, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a normalement, il y a chacun son tour dans les villages, des gens reçoivent des enfants, donc sous des hommes, comme on disait tout à l'heure. Il y a un village qui attend, qui est poireaute depuis des années, et justement, ils en ont marre, et à un moment, ils font un attentat terroriste, parce qu'en fait, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie crise de natalité du côté de la mère. En fait, il y a plus de fertilité. Comme je disais, dans Barbara aussi, il y a cette idée d'enfant qui, comme disait Aquarelle hier, qui n'arrive pas en fait à survivre. En fait, donc il y a quelque chose. Alors personne ne naît parce que ce sont effectivement des vampires. C'est une espèce de famille recomposée, enfin un peu de bric et de broc, on va dire. Mm-hmm. Cette obsession de dans Star Raid aussi, les enfants martiens ont du mal à naître. Il y a quelque chose en fait qui parcourt effectivement l'œuvre, surtout SF de Moto Hagio dans cette fertilité. Sûrement parce que, alors moi c'est je suis pute, mais il y a aussi fertilité dit aussi l'idée de maternité. Donc c'est des questions en fait qui à mon avis l'ont intéressé. Et après, est-ce que c'est aussi allié au fait que il y a une natalité dès les années 80-90 qui n'était pas très florissante non plus au Japon, quoi. Ça, je ne sais pas si c'est allié. Ça, je ne sais pas ça par contre. Voilà. Comme 11 en fait, il y a une planète dans laquelle la planète de la personne qui a la peau verte. Comment on appelle ça, ils connaissent deux saisons, un hiver et un été, et le soleil en fait, nous c'est 24 heures, c'est 64 ans chez eux, et là aussi sur cette planète, il est très difficile de naître et de grandir, par exemple.
C'est sans doute l'occasion de finir ce stream en revenant un petit peu sur Po et sur ce qu'on a cru découvrir au début à travers la narration éclatée qui serait une façon de mettre en crise le temps. On voit bien qu'ici, il n'y a pas de naissance, mais il y a des héritages, quoi. Et derrière la structure éclatée se cache aussi une mise en heurts de la structure familiale, en fait, et du rapport à la mère, quoi. C'est-à-dire qu'il semble bien que Moto Hagio soit allé chercher du côté de la science-fiction américaine une tradition d'écriture qui construirait du dispositif pour essayer d'aller mettre en crise un certain nombre de thématiques sociales. On l'a vu ici avec la question de la fertilité. Derrière la fertilité se cache la question renouvelée de l'héritage. Derrière la question de la gémellité se cache un refus de la naissance au profit d'une thématique du dédoublement. Et il semble bien que Moto Hagio réinvente. Elle réinvente tout, Moto Hagio, en fait, quoi. Elle réinvente tout et elle injecte ses obsessions dans la réinvention narrative et dans la réexploitation de figures et dans la construction de dispositifs. Et pour clore ce stream, Barbara n'entre deux mondes, Balou Bala. Et Kai, un shoujo manga de science-fiction, écrit et dessiné encore par Moto Hagio. Un futur proche où une jeune femme dans le coma après avoir ingéré le cœur de ses deux parents manifeste des capacités poltergeist en lien avec une île nommée Barbara. Alors ça, c'est un manga pré-publié dans le magazine Monthly Flowers 2002-2005, compilé sous la forme de 4 volumes reliés, récompensé en 2006 par le Grand Prix Nihon SF, et publié en France à partir de 2024 par Akata dans la collection Héritage. Acheminons-nous tranquillement vers la fin de ce stream en évoquant cette œuvre de 2002 et en ayant parcouru du coup tout le spectre de son écriture. Barbara, c'est un récit de science-fiction qui vient de sortir chez Akata. Donc ça se passe dans un futur proche, en 2040 quelque chose, 2042 je crois. Et en fait, on suit un personnage qui s'appelle Tokyo et qui arrive à rentrer dans les rêves des gens pour aider à résoudre certaines affaires. Donc, il expliquait qu'il avait résolu une histoire de meurtrier en série en pénétrant dans ses rêves pour trouver ses victimes. Et en fait, là, il est appelé pour un cas un peu particulier. C'est une jeune fille qui s'appelle Aoba. Et qui dort depuis son enfance, depuis plusieurs années. Et il se passe des phénomènes étranges autour de cette jeune fille-là qui dort depuis 7 ans. On l'engage pour qu'il rentre dans son rêve afin de comprendre ce qui se passe et d'essayer de la réveiller. Et en fait, dans son rêve, on se rend compte que c'est tout un univers qu'elle a créé, du moins on suppose, avec une île, toutes sortes de personnages, des règles différentes du monde dans lequel ils vivent. Et en fait, on va se perdre entre la réalité et le rêve jusqu'à ne plus savoir vraiment ce qui est réel ou ce qui est le rêve. Surtout qu'il va se rendre compte que cette fille-là a un lien avec son fils, avec qui il entretient une relation compliquée, puisqu'il n'a jamais été présent pour lui. Et maintenant, il le regrette amèrement. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire très riche qui aborde plein de thèmes différents. C'est compliqué de tout résumer. Ça aborde à peu près toutes les thématiques dont on a parlé juste avant. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est quelque chose qu'on rentre dedans directement. C'est une histoire qu'on dévore. Ici, j'ai pas encore lu la fin parce que ce sera en 2 gros volumes et que le premier vient seulement sortir maintenant. Mais je pense que dans l'équipe ici, certains l'ont lu jusqu'au bout. Je vais passer la main à qui veut en parler. Merci à quoi, c'était cool. Tu nous as bien décrit quoi.
Bah, on va clore tranquillement sur ça, cette soirée. Est-ce que vous voulez. Ah, qui veut rajouter quelque chose sur Barbara? C'est une œuvre qui vous a marqué? Bah, pour ma part, j'ai commencé à la lire tout à l'heure et c'est vrai que j'ai vraiment été. Enfin, c'est une claque, quoi. J'ai même pas, je crois, fini la moitié, mais le peu que j'ai déjà lu, ça m'a vraiment transporté. En plus, c'est assez confus à certains moments, mais justement, c'est ce qui rend la narration super riche et vraiment passionnante parce que. En fait, on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai lu il y a très très longtemps, mais c'est une claque, effectivement. C'est un manga vraiment vraiment très fascinant. Et puis il y a aussi une petite dimension sur le cannibalisme. Enfin, moi, j'aime bien ça. Ouais, parce que c'est un manga que j'essaye de relire à peu près tous les ans. Et plus je lis, plus je l'aime. Et surtout, moi, ce que je trouve sidérant en fait, dans ce manga, c'est que, enfin, effectivement, comme tu disais à quoi, c'est on retrouve quasiment tous les thèmes de Hagio, en fait. Enfin, les thèmes pour lesquels on la connaît quasiment. Enfin, ils sont dans ce manga en fait. Les problèmes de famille, il y a la science-fiction, il y a tous les problèmes de fertilité, d'autres, d'étrangers, puisque Barbara, c'est ça veut dire barbare, les étrangers. Enfin, il y a vraiment tous les thèmes, enfin, la majorité des thèmes en fait sont mélangés là-dedans et c'est très sidérant à lire parce que c'est très très dense, très riche. Parce que c'est là où on peut trouver à fond du Jung, parce que cité explicitement ce coup-ci, comparé à d'autres mangas. Enfin, je sais pas trop comment la définir, à part c'est génial. Non, mais C'est ça en fait, c'est vraiment génial. C'est un grand manga qui a eu un prix en plus de science-fiction, pas un ouais. prix manga, mais un prix de science-fiction. Un peu comme si on avait le Hugo ou quelque chose comme ça ici. Bah, c'est cool de finir sur ça, franchement, ça valait le coup, quoi. Non, je Donc il sentais faut que. absolument l'acheter. Ouais, je sentais Voilà, que. vous jetez-vous dessus, c'est sorti il y a quelques jours. Je sentais que vous y teniez hier à parler de ce manga et tout, c'est cool. Donc là, on est en 2002, hein, c'est ça. Hein. Donc on a fait un sacré parcours parce qu'il C'est me semble que exact. les premières planches que j'ai affichées là à l'écran, c'était les planches de Pau, donc 72. 72-2002, voilà, et puis ça continue encore après et tout, quoi, avec la reprise, tu disais, la reprise de Pau en 2016, Julia. Donc, du coup, on est sur ça, et avec, t'espérais qu'elle reprenne, mais bon, ça reste Julia, là. Vas-y, Link. Si, je vais peut-être, parce que bon, je suis peut-être un peu le clou qui dépasse le plus du groupe. C'est-à-dire que moi, Bon, Motorgio, pareil. je l'ai lu. J'étais au lycée, donc ça doit faire 6, 7, 8 ans, on va dire. Et je suis vraiment le gars le plus. Enfin, on va dire, je suis vraiment pas le plus concerné par ces histoires. Et je l'ai lu par curiosité, parce que dans la bibliothèque de mon lycée, c'était vraiment. Il y avait deux, trois grosses œuvres un peu à part, et du Kamui Den et tout. Et je suis tombé sur l'autrice, et je sais plus comment je suis tombé dedans. Et j'ai eu le cœur de Thomas, donc j'ai commencé à gueuler avec le cœur de Thomas. Et c'est vrai que, quand même, c'était pas du tout le type d'histoire que je disais à l'époque, vraiment. Enfin, j'étais, on va dire, des lecteurs de One Piece et compagnie. Et ça m'a, mais transporté, je sais pas trop comment le dire. La manière dont Hagio, et je le remarque encore maintenant, que j'ai commencé à lire Barbara, etc., je trouve qu'elle a une manière de nous transporter dans ses récits qui est vraiment très très fort. Et enfin, je le dis en tant que peut-être la personne dans le groupe, en tout cas parmi nous neuf, la moins susceptible, enfin du moins à l'époque c'était le cas, maintenant je suis plus vraiment pareil, mais voilà, à tous ceux qui sont sceptiques ou qui se sentent pas forcément concernés, même foncez, parce qu'il y a une histoire à raconter derrière, une manière de le raconter qui est tellement prenante et tellement. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial dans ces histoires et vraiment, je suis tombé dessus un peu comme par hasard et
Je suis très très content de la revoir en ce moment, de la redécouvrir. Donc voilà. Je rejoins ce que tu dis, Link. D'ailleurs, je l'ai découverte un peu par hasard également, parce que je l'ai découverte grâce au recueil Parasite, Néo-Parasite, donc où il y a toute une série d'histoires de plein d'auteurs différents. Et je connaissais pas du tout Motu Hagio à ce moment-là. Et en lisant son histoire, je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai eu comme un coup de foudre. J'étais complètement transportée par l'histoire. C'était incroyable. Au point où tout le reste du recueil m'a paru hyper banal, hyper fade. C'est un peu vrai, ouais. C'est ça. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est qui cette Motu Hagio? Il faut que je sache qui c'est. Il faut que j'en lise plus. Enfin, c'est incroyable. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Elle a vraiment un don pour captiver, pour te faire rentrer directement dans son histoire. Et même avec les histoires courtes, c'est un exercice qui peut être assez compliqué. Et au final, elle arrive vraiment à nous emmener avec elle. Peu importe la longueur de son histoire, elle développe toujours des univers vraiment vastes. Et je pense que c'est ça qui fait aussi partie de ses grands atouts et talents. Ouais, Motu Hagio, c'est la vie. On vous remercie tous. Je vous laisse dire un petit mot, si vous voulez dire un petit mot. Vous êtes contente? Vous avez passé un bon moment? Ou ouais. C'était l'enfer? Motu Hagio, voilà. C'est très intéressant. C'était pas l'enfer, ouais. Franchement. C'était cool. On a appris plein de trucs. des moments de valorisation, quoi. Allez, je vous laisse aller vous reposer toute là. Merci beaucoup. c'était vraiment un plaisir, quoi. Et puis on se tient au jus, on se tient au courant. À tout le monde dans le chat, passez une jolie nuit. On se retrouve demain matin. En plus, Marcel, c'est tôt, quoi. Donc voilà, le marathon commence seulement, mais moi je suis déjà rincé. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.